Bon, ben voilà, la plupart d'entre vous étaient déjà là tout à l'heure. Il y a quand même quelques personnes qui ne sont plus les mêmes que tout à l'heure. Donc, deuxième partie de cette journée de table ronde avec l'OMNSH sur les savoirs du jeu vidéo. Donc, je rappelle que ça s'inscrit dans une manifestation qui dure un mois entier, qui s'appelle Press Start Anatomie du jeu vidéo. La totalité du programme est sur bpi.fr. Je ne vais surtout pas vous détailler tout ça maintenant. Mais n'hésitez pas, bpi.fr, il y a pas mal de rencontres, encore les 4 week-ends qui viennent, des ateliers, des jeux en accès libre, etc. Voilà, donc je redonne la parole à l'OMNSH pour cette deuxième partie. Wilfried, merci. À toi. Merci. Alors, bonjour à tous. Je serai, donc Wilfried Coussieux, je serai le modérateur et le minuteur humain de cette deuxième session, ce qui... Peut-être que déjà, on est dans le jeu en annonçant ce genre de choses. Je vais peut-être commencer par faire un point de transition avec l'ensemble des ce qui a été dit tout à l'heure. Un point de transition, notamment sur le thème qui nous occupera cette session, qui est le thème des pratiques, et plus précisément des savoirs pratiques du jeu vidéo. Pour rappeler par exemple que le game design et les game studies, je parle peut-être pas assez devant le micro, sont avant tout, on l'a vu, des savoirs de recherche, mais également des savoirs de conception, qui sont, il faut le rappeler comme ça, avant tout ancrés, constitués sur un socle de pratiques, les pratiques des joueurs. Donc, je voulais commencer par introduire en disant que ces savoirs que sont la conception et la recherche ne sont jamais des domaines figés, c'est-à-dire un ensemble de notions inertes ou des catégories inertes, mais plutôt des domaines dynamiques qui sont articulés aux pratiques de jeu elles-mêmes. Alors, comme on a pu le voir au travers d'un certain nombre d'exemples tout à l'heure, les activités des joueurs s'ajustent en termes de compétences et en termes d'attitude aux objets qui ont été conçus et qui ont été fabriqués dans l'objectif de les faire jouer. Donc, d'une certaine manière, les joueurs s'accordent à des savoirs qui sont formalisés. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'ils produisent également, en jouant, en retour, un ensemble de savoirs et d'appropriations, qui sont des comportements, des habitudes, des manières de pratiquer le dispositif, qui sont en bref des savoir-faire, et de mettre en relation finalement la technologie avec laquelle ils sont en contact, avec tout un ensemble d'autres pratiques. Alors c'est ces pratiques qui vont nous questionner sur cette table, qu'il s'agit d'explorer, de défragmenter un petit peu, peut-être aussi pour mieux les comprendre. Et je voudrais rappeler juste à cette occasion, pour les quelques minutes qui me sont données de transition, que dans les études sur le jeu, qu'il s'agisse des études les plus anciennes, je pense notamment au théoricien néerlandais Johan Huizinga, son ouvrage Homo Ludens, qui était paru en 1938, ou les théoriciens les plus récents en Video Game Studies, la notion du faire, la notion de faire du jeu, de faire le jeu, est extrêmement importante. C'est-à-dire que c'est dans ces études, c'est peut-être une banalité de le rappeler, une idée très simple, mais qui est extrêmement forte en vérité, qui est que jouer, c'est avant tout faire quelque chose. Je crois que ce que ça veut dire, de dire ça quand on cherche à définir le jeu vidéo, comme beaucoup d'autres objets, c'est qu'il est peut-être assez malvenu d'inclure l'objet dont il est question dans sa propre définition, et que, autrement dit, de le justifier et de ne le définir qu'à partir de lui-même. Pour le dire en termes plus simples, si jouer c'est faire quelque chose, si l'on fait quelque chose, c'est quoi exactement? Donc c'est ce faire qui va occuper cette table ronde, qui est une question autour de l'agir finalement du jeu. Je pense notamment au fait que le jeu bien sûr produit des modes de conduite qui sont matériellement organisés. On peut penser à la relation entre le clavier et l'utilisateur. L'opérateur du jeu, donc le joueur, est également en contact avec un écran, avec des contrôleurs on va dire tout simplement. Mais il y a aussi, point important à distinguer, ce que fait le joueur lorsqu'il joue, ce que fait le joueur en jouant, ce qu'il fait en le faisant, si vous préférez. Il appuie sur des boutons, bien entendu, mais en même temps, le joueur fait autre chose que cela.
il agit, on va dire, à différents niveaux qui peuvent recevoir des significations, prendre des significations assez diverses. Par exemple, il joue un rôle, il échange, il fabrique des objets, il s'entraîne, il peut évaluer des situations, il gère et distribue des ressources, il invente des stratégies, il peut aussi participer à dévoiler une intrigue, à dévoiler un scénario, etc. Il peut tisser des alliances avec d'autres joueurs, au contraire les affronter. Il peut aussi affronter des peurs, des angoisses, etc. En s'attachant à un personnage et en vivant l'aventure avec lui, par exemple. Cela dépend finalement des genres de jeux dont on peut parler. Et donc, je voulais rappeler cette évidence finalement, aussi pour réaffirmer l'idée qui a été un peu émise à la première table, qui est de dire que le jeu existe parce que bien sûr il est joué, parce qu'il est pratiqué, parce qu'il est en quelque sorte performé, on pourrait dire, et que la variété de ces pratiques peut nous inviter à prendre en considération un ensemble, une diversité de cultures vidéoludiques, des choses comme ça, qui se sont développées au cours du temps autour de cet objet. Je pense notamment à des phénomènes comme le machinima ou le modding, ce qu'on appelle globalement les créations générées par l'utilisateur. Et donc pour cette table ronde, c'est ces particularités-là que j'aimerais qu'on explore. Pour le faire, je vais essayer de modérer donc trois interventions. Et ensuite, il y aura un débat autour de ces questions. Bien entendu, la salle sera invitée à interagir avec nous. Et nous allons commencer par l'intervention de Marion Rolandin, qui se trouve donc à ma gauche, qui est donc doctorante en sciences de l'information et de la communication au CELSA à Paris 4. Et qui donc va nous parler de l'importance des interfaces et leurs fonctions communicationnelles dans la pratique d'un jeu en ligne en particulier, qui est donc League of Legends. Et je te donne la parole, Marion. Alors, bonjour à tous. Alors, dans le cadre de mon doctorat, je traite des différences entre la communication en face à face et la communication numérique à distance. Je m'intéresse à la manière dont les joueurs vont réfléchir à la communication qui a lieu lors de la pratique d'un jeu vidéo. Donc, en fait, ils ne se voient pas et échangent par l'intermédiaire des messages écrits qui s'inscrivent à l'écran. Donc, il va être essentiel pour eux d'apprendre à communiquer avec cette spécificité. Alors, aujourd'hui, je souhaite vous parler de la diversité des savoirs générés par la pratique d'un jeu en particulier, League of Legends. Donc, mon enquête a été menée à partir d'une analyse des interfaces, articulée à une phase d'immersion et des entretiens que j'ai menés avec des joueurs. Donc, je tiens à préciser aussi que je fréquente ce jeu dans le cadre de mon loisir. Alors, brièvement, je vais vous présenter League of Legends. Donc c'est un MOBA, c'est-à-dire une arène de bataille en ligne créée en 2009 par la société Riot Games. Alors le principe est simple, deux équipes de 5 joueurs vont s'affronter dans une arène qui se matérialise sous la forme d'une carte symétrique comme on peut voir sur l'image schématique sur l'écran, avec un camp à chaque extrémité. Donc une partie va durer 45 minutes environ et passe par plusieurs étapes. Au début, chaque joueur emprunte une voie, donc qui sont représentées par les flèches, pour s'affronter en solo ou en duo. Puis, un peu plus tard, ils s'engagent dans des phases de combat collectif. Alors, chaque joueur va choisir un personnage parmi la centaine disponible pour le représenter durant la partie. Donc, sur les images du haut, vous voyez une illustration, d'un des personnages, et sur la droite, le personnage comme on peut le voir lorsqu'on est engagé dans le jeu, avec le pseudonyme du joueur qui s'affiche au-dessus. Alors, la condition pour gagner est de réussir à détruire la structure adverse, qui s'appelle le Nexus, que l'on voit sur l'image du dessous. Le jeu étant multijoueur, il faut arriver à être un bon coéquipier le temps de la partie, collaborer avec des joueurs que l'on ne connaît pas forcément pour progresser individuellement. J'estime qu'une construction de savoir sur la pratique du jeu et sur la communication, donc c'est-à-dire des compétences et des capacités, vont se faire à travers trois éléments. Le contact avec le jeu, les interactions avec les autres joueurs et la confrontation à des discours parlant du jeu. Alors, on va commencer par le rapport au jeu.
Je distingue le logiciel de jeu avec ses interfaces différentes, une pour les parties et une en dehors des parties, et le site internet officiel où le joueur s'inscrit, télécharge le jeu et prend connaissance des nouveautés et mises à jour. Alors, en se rendant sur le site officiel du jeu pour télécharger le logiciel, dont on voit une image du haut de la page d'accueil, le futur joueur perçoit que l'activité dans laquelle il s'engage est une activité ludique. Donc, il y a de nombreux éléments qui vont mettre en avant le thème du divertissement, de l'amusement, comme les nombreuses illustrations ou le vocabulaire qui appartient au champ lexical du jeu. Il va aussi trouver le thème de la compétition, avec des tournois qu'il peut regarder où des équipes de professionnels s'affrontent, mais aussi avec l'existence d'un mode compétitif où il va pouvoir se mesurer aux autres. Donc, en effet, dans ce jeu, il existe plusieurs modes, notamment un pour l'entraînement où les résultats n'ont pas vraiment d'impact hormis pour la satisfaction personnelle, et un pour la compétition où le joueur va évoluer dans le classement en fonction de ses résultats. Donc, l'aspect ludique lié à la détente, en fait, va côtoyer l'aspect compétitif lié à un certain sérieux. Alors, sur le site et à travers le logiciel, le joueur se voit aussi intégré dans un scénario fictionnel. Il n'est plus un simple joueur, mais est appelé invocateur, donc rôle qui va lui donner la possibilité d'utiliser différents personnages. Alors, à ce rôle est associée une mission, collaborer avec ses alliés pour triompher de ses ennemis en détruisant leurs repères. Donc, l'enjeu de l'activité ludique est donc de gagner, et le fait de ne pas jouer seul va impliquer quand même un certain sérieux. Alors, le jeu League of Legends offre des interfaces et des outils que le joueur doit maîtriser. Il doit développer ses compétences pour gérer les personnages. Deux éléments imposés vont le guider. Le premier, c'est le tutoriel, donc qui va être obligatoire pour les nouveaux, qui permet de découvrir le principe du jeu grâce à une simulation de partie dans laquelle des bulles d'aide indiquent les principaux mécanismes et objectifs. Le second élément, c'est la progression du compte de jeu du niveau 1 à 30, qui va se faire en gagnant des points d'expérience à chaque partie. Donc, au tout début, le joueur et l'équipe qui lui a été attribuée vont faire face à une équipe ennemie qui est contrôlée par l'intelligence artificielle, donc avec des ennemis qui ne sont pas très intelligents, ce qui va leur permettre de se familiariser avec les interfaces, les différents personnages, etc. Puis, après quelques niveaux, ils vont avoir la possibilité d'affronter d'autres équipes de joueurs pour se perfectionner. Une fois au niveau 30, donc c'est là où le joueur aura la possibilité de participer au mode classé pour se comparer aux autres joueurs. Alors, cette progression jusqu'au niveau final va prendre du temps, mais c'est un temps qui est nécessaire à la familiarisation avec l'interface et au développement des automatismes du corps. En effet, le jeu va créer des situations où le corps doit réagir automatiquement à travers le contrôle de la souris pour diriger le personnage et un enchaînement rapide des touches sur le clavier pour le faire combattre. Cette progression est également essentielle pour apprendre comment agir en fonction de ce que font les ennemis ou les alliés, c'est-à-dire acquérir ce que j'appelle une lecture du jeu. Donc c'est par la pratique que le joueur va apprendre à anticiper tout en gérant son personnage, mais aussi à savoir jouer contre les autres personnages qui ont chacun des pouvoirs particuliers. À titre d'exemple, quand j'ai commencé à jouer, je connaissais pas tous les personnages, et à plusieurs parties, quand je rencontrais un ennemi que je ne connaissais pas, je me faisais souvent surprendre par ses pouvoirs, ce qui conduisait à la mort de mon propre personnage. Mais après ces expériences, très vite, j'arrivais à adapter mes mouvements en conséquence. Pardon. Alors, la lecture du jeu peut être aussi partagée en faisant part de nos impressions aux autres, en signalant, par exemple, que l'ennemi en face de notre personnage a disparu et risque de s'attaquer à un coéquipier. Donc, pour cela, le dispositif va donner un outil donc, qu'on voit sur l'image, qui associe un signe à un son, par exemple, la flèche pour signifier un mouvement, le point d'exclamation pour signaler un danger. Donc le joueur va devoir apprendre à maîtriser ses codes pour échanger sans perdre de temps à écrire. Il va falloir que les autres comprennent le signe et les utilisent à bon escient.
Alors, je vais vous parler à présent des savoirs générés à travers les interactions avec les autres joueurs, que ce soit des inconnus ou bien des coéquipiers réguliers. L'utilisation de l'ordinateur crée une situation où le corps du joueur reste d'un côté de l'écran, tout en étant utilisé pour agir sur le logiciel de jeu. Son attention est également tournée vers l'écran. Alors, ce n'est pas pour autant que le joueur va être isolé de ses activités quotidiennes. Il se trouve, selon moi, dans une posture ubiquitaire, étant à la fois sur le jeu pour assumer son rôle de coéquipier et conservant également son rôle de parent, d'enfant, d'ami ou de collègue. Donc, le rôle de coéquipier devient complexe à tenir car le joueur reste soumis à des obligations extérieures ou va sembler disponible aux yeux de son entourage. Alors, assumer ce rôle est également aussi plus complexe, car l'entourage qui ne joue pas, dans le cas où il ne joue pas, ne va pas forcément comprendre ni les enjeux et le fonctionnement du jeu, ni l'engagement qui existe envers les coéquipiers. Donc, par exemple, il y a plusieurs joueurs qui m'ont expliqué que les gens de leur entourage s'étonnaient qu'on ne pouvait pas faire pause sur le jeu, ou que s'absenter pendant plusieurs minutes pouvait vraiment pénaliser toute son équipe. Donc tout cela va impliquer que les joueurs vont avoir un engagement dans l'activité plutôt limité, essayant de faire plusieurs choses à la fois et de gérer leurs différents rôles. Ils doivent continuer à paraître bons coéquipiers, tout en apprenant à gérer la double possibilité de communication. Donc si l'on joue avec des inconnus, en fait, c'est plus simple de se déconnecter en pleine partie ou d'être moins concentré. Cela aura beaucoup moins d'impact que si on joue avec des personnes avec qui on souhaite rejouer. Car il va être plus difficile de se déconnecter et d'être la cause de plusieurs défaites, car ça pourra amener les autres à ne plus vouloir jouer avec nous, considérant qu'on ne les prend pas au sérieux, ainsi que l'activité. Il vaut donc mieux apprendre à estimer si on a suffisamment de temps pour participer à la partie ou si le contexte le permet. Un des enjeux est aussi d'apprendre à collaborer avec des personnes inconnues, car une équipe... Alors attendez, je vais passer. Voilà, pardon. Un des enjeux est aussi d'apprendre à collaborer avec des personnes inconnues, car une équipe plus coordonnée a plus de chances de remporter la victoire. Il faut tout d'abord adopter un comportement qui ne soit pas trop égoïste, car la victoire ne peut pas s'atteindre en jouant seul, même si le joueur va faire preuve d'excellentes compétences. Alors, par exemple, j'ai participé à une partie où un des membres de mon équipe dominait vraiment son adversaire. Mais il avait un comportement qui était vraiment très agressif et insultait toute son équipe en disant qu'on ne servait à rien. Du coup, pour lui servir un peu une leçon, on a arrêté de jouer et on l'a laissé pendant quelques temps essayer de se débrouiller seul. Et ce qui l'a amené à devoir s'excuser avant qu'on accepte de rejouer avec lui pour l'aider à gagner. Donc, si on se réfère à cette expérience, un mauvais comportement va nuire à l'esprit d'équipe. Donc, ce qui implique que les joueurs vont devoir développer des tactiques pour essayer de créer une bonne ambiance, par exemple, en échangeant des politesses en début de partie. Alors, il faut noter qu'il est aussi plus facile de collaborer avec des joueurs que l'on côtoie souvent, afin de passer par un logiciel de communication orale qui va faciliter les échanges et l'établissement des stratégies, donc comme le logiciel Skype, par exemple. Alors, jouer avec des coéquipiers réguliers permet de mieux jouer en équipe. Or, pour trouver ces coéquipiers, il faut réussir à décrypter le profil, qui est une image construite par le logiciel à partir de leurs statistiques, de leur niveau. En essayant d'associer à cela des compétences ou une idée de leur style de jeu. Alors, sur l'image que vous voyez ici, donc qui montre le profil d'un joueur, juste pour vous donner un exemple, moi, si je regarde cette interface, je peux dire, en voyant la médaille qui s'affiche en or, que la personne a de très bonnes compétences. Et si je regarde le style de personnage qu'elle joue, je suis capable de dire que c'est une personne qui aime les personnages qui ont un rôle de soutien dans leur équipe. Donc, toutes ces capacités d'interprétation vont se construire au fur et à mesure que le joueur va pratiquer,
ce qui l'aidera dans le choix de ses coéquipiers. Et cela a vraiment une importance dans les relations. À titre d'exemple, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans le bas du classement qui expliquent que cela nuit à leur relation et qui sont souvent rejetés dans les jeux, dans les parties en équipe. Alors, des savoirs vont aussi se développer lorsque le joueur se confronte à des discours traitant du jeu. En effet, il apprend en pratiquant, mais également en étant au contact de joueurs meilleurs que lui. Alors là, je distingue trois sources différentes. Un joueur qu'on connaît, des guides de jeu qu'on va trouver sur Internet, ou encore des tournois où s'affrontent les équipes professionnelles, qui sont commentés en direct sur Internet par des animateurs. Le joueur va pouvoir s'approprier le savoir d'un autre en imitant sa manière de jouer un personnage à partir des guides écrits ou même des vidéos sur Internet. Alors là, je vous ai juste mis un exemple. Donc, c'est une image issue du site YouTube où on trouve un programme régulier où un joueur animateur va coacher un de ses collègues pour le conseiller durant les parties. Donc, pour les joueurs, regarder ce genre de vidéo permet d'apprendre des techniques ou des astuces. Il va être également possible de regarder des tournois diffusés en direct sur Internet pour tenter de s'approprier des stratégies développées par les équipes professionnelles. Alors, ces joueurs professionnels vont souvent faire des choses qui sont parfois originales, mais qui demandent une grande maîtrise. Alors, quand cela va contribuer à la victoire, j'ai constaté que les joueurs vont tenter de reproduire la stratégie dans les heures qui suivent. Alors, c'est aussi ce qui est constaté par les animateurs, qui expliquent que si l'on ne veut pas voir la même chose durant nos propres parties, il vaut mieux éviter de jouer dans les jours à venir. Alors, ils font cette réflexion parce que les joueurs sont moins entraînés que les professionnels et ont de ce fait moins de chances de réussir à imiter du premier coup le professionnel, ce qui va augmenter le risque de défaite. Il est également possible de devenir médiateur, c'est-à-dire de partager son savoir auprès de quelqu'un qui est moins habitué à la pratique pour l'aider à progresser. Alors, cela se produit par exemple lorsqu'un joueur invite une personne de son entourage à découvrir le jeu et souhaite l'amener rapidement au niveau 30. Là, le joueur avec plus d'expérience peut l'aider à s'approprier tous les éléments dont je viens de vous parler, en expliquant ce qu'il faut retenir des outils du logiciel, les différentes manières de communiquer, ou comment maîtriser mieux un personnage. Donc la personne va pouvoir apprendre plus vite grâce aux explications, ce qui prendrait plus de temps si elle essayait d'apprendre par elle-même. Donc pour partager son savoir, il faut accorder du temps aux autres, les encadrer, faire preuve de pédagogie et de patience, et aussi accepter de perdre, car jouer avec un joueur novice ou un peu moins fort diminue quand même les chances de victoire. Alors il est également possible de créer une équipe de 5 pour s'entraîner avec des coéquipiers réguliers et affronter d'autres équipes. Alors j'ai remarqué que des normes communicationnelles issues de l'activité des joueurs professionnels étaient mobilisées. En effet, les professionnels véhiculent une image de ce qu'est le jeu en équipe à travers leurs interventions sur les réseaux sociaux et la diffusion des tournois. Cela incite les joueurs à essayer de gérer leurs équipes comme des pros et va modifier légèrement leurs pratiques sur trois aspects, l'aspect relationnel, temporel et stratégique. Alors, sur le plan relationnel, l'équipe ne va plus se construire forcément par affinité, mais plutôt en fonction des compétences des joueurs. Pour être intégré à une équipe, il va falloir parfois candidater, passer des entretiens, se soumettre à des périodes test plus ou moins longues. Sur le plan temporel, des entraînements réguliers sont planifiés, en dédiant un certain nombre de soirs par semaine au jeu en équipe, avec l'obligation de prévenir en cas d'absence. Sur le plan stratégique, la communication durant les parties va devenir plus structurée et les joueurs vont essayer de ne pas parler en même temps. Donc les parties donnent suite aussi à des débriefings permettant d'analyser les points forts et les points faibles de chacun, incitant ainsi à l'amélioration. Alors si une personne s'avère être plusieurs fois à l'origine des défaites ou parle en même temps que les autres ou ne respecte pas les règles, il est probable qu'elle soit renvoyée et remplacée, comme le serait un joueur professionnel qui aurait de mauvaises performances. Donc, pour conclure, la pratique du jeu ne consiste pas simplement à se divertir et à passer le temps.
On observe qu'une construction des savoirs sur la pratique du jeu, qui permet de partager ses expériences avec d'autres, de progresser et d'évoluer. D'ailleurs, les meilleurs joueurs peuvent même avoir l'opportunité d'être recrutés dans des équipes professionnelles. On observe aussi des savoirs qui se construisent face à l'outil technique, soumettant le corps à l'apprentissage, développement des compétences à utiliser plusieurs logiciels ou sites en même temps. On observe enfin des savoirs portant sur la manière de se présenter, de communiquer avec les autres et de collaborer, le jeu étant une activité sociale où la communication diffère d'une activité plus traditionnelle. Voilà, je vous remercie. On te remercie, Marion. Je trouve assez intéressant, peut-être, si tu pouvais, avant de passer la parole à Thomas, préciser sur la question de... Ce que je trouve assez intéressant, comme on a vu avec ce que nous a dit Marion, c'est que le jeu est toujours... En l'occurrence, tu nous as parlé d'un jeu de stratégie en temps réel. Tu l'as envisagé sous l'angle de un angle bien particulier qui nous l'a présenté comme un cadre de communication. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'on voit que non seulement coexistent dans un même espace un système de règles qui a été conçu pour que les joueurs se voient autoriser certaines actions et que d'autres soient proscrites ou sanctionnées. Mais on voit également que les interactions qui ont lieu à l'intérieur de cette... de cet espace, donc qui sont suggérés entre les participants, et les interfaces participent aussi à la définition même de ce que va être le jeu. Donc je te remercie pour cette introduction, cette approche communicationnelle du jeu. Je vais maintenant passer la parole à Thomas Gaon, qui est, je lis parce que je ne sais jamais tes affiliations, doctorant en psychologie, psychologue clinicien, et qui donc va nous parler de l'utilisation des jeux vidéo et de leur rôle, précisément, dans la construction de soi chez le public adolescent. Oui, particulièrement chez les adolescents. Ouais. Merci de cette invitation. Donc, effectivement, moi, ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille sur la question des jeux vidéo, et notamment de l'adolescence, principalement, d'un point de vue psychosocial. Et je suis également consultant... En addictologie, je reçois beaucoup d'adolescents, notamment pour des problèmes liés au jeu. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de PowerPoint. Vous pouvez remettre. Voilà. On a quelque chose. Non, c'est bon. Pas besoin. Je préfère parler. Je suis plus comme ça. Donc, je vais parler effectivement des fonctions du jeu vidéo à l'adolescence. Alors, c'est un sujet assez passionnant, puisque le jeu vidéo a souvent été accolé à cette catégorie de la population. Alors je vais définir un peu ce que c'est que l'adolescence avant tout, en psychologie notamment, puisque l'adolescence c'est pas la minorité ou la majorité, l'adolescence c'est 13-25 ans, plus ou moins, et c'est une période de la vie extrêmement importante parce que c'est une période de transformation, c'est une période de remodelage exactement si on peut dire les choses, c'est-à-dire que ce qui a déjà été construit jusqu'alors va devoir intégrer toutes les nouvelles données qui vont arriver à partir de cet âge-là. Et l'intégration, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'on va devoir retravailler à partir des bases qu'on a eues dans l'enfance et intégrer des nouvelles données et voir comment on va pouvoir en faire la synthèse. Et ça prend énormément de temps. C'est vrai au niveau cérébral, c'est-à-dire que le cerveau se transforme énormément pendant la période d'adolescence. C'est vrai également au niveau social, où à partir de l'adolescence, le sujet n'est plus un enfant, ne l'est plus totalement, mais n'est pas encore un adulte, n'est pas reconnu comme tel. C'est vrai au niveau corporel, où il commence à acquérir une stature d'adulte progressivement. Elle n'est pas totale, bien sûr, c'est progressive, elle est intermédiaire, si on peut dire. C'est vrai aussi au niveau du monde, tout simplement, c'est-à-dire que là où le parcours de l'enfant et finalement l'espace que voit l'enfant est assez limité, hein, c'est juste le foyer et l'école, avec l'adolescence est véritablement une conquête de l'espace public, et ce sont toutes ces données qui vont devoir être intégrées. Voilà, bon, ok, tant mieux. C'est pas très beau en fait, c'est pour ça. Voilà, la transformation de la pensée également au niveau des processus de pensée avec les opérations, tout ce qui est de l'ordre de l'abstraction.
Au niveau psychologique, c'est évidemment l'intégration de la puberté, c'est-à-dire qu'on passe de la question de l'infantile à une position homme ou femme, notamment, avec l'acquisition de deux dangers liés à cette adolescence, à la puberté, la force physique et évidemment la question de la sexualité. Au niveau social, comment un adolescent va devoir... En fait, il perd quelque part toute la protection qu'il avait du statut infantile, notamment de la domination parentale, des tuteurs parentaux, qui pour un enfant est toujours une idole. Hein, c'est vraiment jusqu'à 10 ans, les enfants croient en tout ce que leurs parents leur disent pratiquement. Ils les protègent également, fantasmatiquement. À l'adolescence, on a un phénomène de désidéalisation qui fait que les parents, tout d'un coup, parce qu'ils deviennent plus ou moins dangereux, vont cesser d'apparaître de la même manière. Ils ne peuvent plus apparaître de la même manière, sinon on resterait un enfant toute notre vie, ce qui serait évidemment assez dramatique. Donc un remodelage et une renégociation progressive qui prend une dizaine d'années, qui encore une fois, à tous les points de vue, hein, j'insiste bien là-dessus, cérébral, psychologique, sociologique, culturel, évidemment. Le jeu vidéo, de son côté, est une pratique, est un loisir, un divertissement qui a justement cet intérêt d'être situé dans beaucoup de domaines, dans beaucoup d'âges de la vie. C'est-à-dire que beaucoup d'adolescents jouaient aux jeux vidéo déjà petits, généralement entre 8 et 12. On a beaucoup d'utilisation de jeux vidéo. À l'adolescence, pleinement, sachant que on est autour de 90% des adolescents qui jouent aux jeux vidéo occasionnellement ou régulièrement en France, avec une majorité de garçons, j'y reviendrai, et que cette pratique peut continuer, même si elle n'est plus de la même façon, mais au moins occasionnelle à l'âge adulte. Donc, on a dans les pratiques de jeu des façons différentes de jouer, j'aimerais insister là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule façon de jouer, évidemment, à un même jeu, et que les joueurs eux-mêmes ont plusieurs jeux favoris et plusieurs façons de jouer, c'est-à-dire qu'à la fois ils peuvent très bien jouer, comme l'a décrit Marion, de façon hyper compétitive à League of Legends, et en même temps à côté jouer à Mario Kart avec leur petite sœur, et que ces deux choses-là sont psychologiquement différentes, ça n'a pas la même fonction et ils ne jouent pas forcément de la même façon non plus. Alors, je vais parler de trois thèmes par rapport à l'adolescence et les jeux vidéo dans cette construction, donc progressive, cette intégration. Première chose, ce sera celle de la question de l'imaginaire. La deuxième chose sera celle de l'activité, hein, l'activité physique et mentale. Et la dernière seront la question du rapport à soi et du rapport aux autres. Alors, brièvement, la question évidemment de l'imaginaire, c'est-à-dire en quoi le jeu vidéo, à l'instar d'autres productions culturelles, bien sûr, que ce soit la littérature, la bande dessinée ou le cinéma, apporte des images pour se figurer justement ces transformations. On peut le voir bien sûr sur la question dans les mangas de l'importance des transformations corporelles. Pensez à Naruto, pensez à toutes les périodes de transformation qu'on voit typiquement adolescents. Et les jeux vidéo figurent des images du corps, des images de transformation, des images de puissance, des images d'explosion également, qui vont pouvoir donner un sens à ce qui était prouvé, notamment de façon interne. C'est aussi une des images du monde, et là c'est la question évidemment de la culture, en ce sens que dans la culture, ce sont des représentations partageables, partagées, que les adolescents découvrent à travers le jeu vidéo finalement des images du monde tel qu'il est, même s'il est fictionnalisé, c'est-à-dire de la mythologie bien sûr, mais aussi des rapports humains, des rapports conflictuels et des rapports affectifs. Les jeux vidéo nous proposent donc des images qui vont faire écho à ce qu'ils perçoivent dans leur famille, à ce qu'ils perçoivent dans leur relation avec les autres, et qui vont leur permettre d'augmenter finalement leur façon de comprendre ces phénomènes-là et ces sentiments. On peut le voir très, très simplement, par exemple, sur tous ce qu'on appelle les parcours initiatiques, qui ont une longue tradition dans la littérature, dans les mythes, ce genre de choses. La plupart des jeux vidéo destinés notamment aux enfants et aux adolescents reprennent des parcours initiatiques du héros avec, selon la structure du roman familial ou des mythes du héros, cet abandon, cette
l'orphelin au début, et puis à la fin pouvoir rejoindre finalement la lignée, la filiation, qui est vraiment le parcours adolescent, de pouvoir s'écarter de ses parents pendant un temps. C'est généralement le statut des héros au début, qui ne connaissent pas du tout leurs parents, qui sont abandonnés dans des situations dramatiques, et qui, à force de combat et de coopération, finissent par pouvoir retrouver leurs parents, retrouver une affiliation, que ce soit dans une famille, que ce soit dans un couple ou ce genre de choses. On peut bien sûr penser, de façon, Mathieu Triclot le disait assez justement, montrer la question oedipienne avec Mario. Finalement, Mario n'a qu'un but, hein, c'est-à-dire de rejoindre la princesse, c'est-à-dire la question effectivement de en ligne de mire le projet. Projet sexuel, hein, projet du couple, et que cette substitution permanente que la princesse, il faut bien sûr y lire l'objet maternel, est toujours dans un autre château. Il faut aller tout le temps le chercher, et c'est prolongé comme ça. Bien sûr, je passerai sur toutes les situations thématiques qu'on pense à Double Dragon, qui pense à tous les enjeux des jeux vidéo classiques. Alors, ce sont aussi, c'est pas simplement des images de la culture et des mythes, mais ce sont aussi des nouvelles situations qui sont proposées avec des rapports de causalité dans le jeu vidéo et que le joueur va tester et intégrer. Ce sont des phénomènes très très simples, comme la physique, tout simplement, mais ce sont aussi, puisque ce sont des simulations, des rapports de cause à effet. Par exemple, dans Skyrim, s'amuser à voir si on vole cette personne-là, comment va-t-elle réagir, est-ce qu'elle sera aussi coopérative, bref, toute cette exploration de la causalité qui fait la structure même de tout jeu vidéo, puisque ce sont une programmation de cause à effet. Également, au niveau des images, et qui me paraît la plus importante, outre la question d'intégrer, d'accueillir des nouvelles images, c'est surtout de pouvoir en produire, de pouvoir créer des situations, de pouvoir poser dans l'espace du jeu, on va dire, quelque chose de personnel, quelque chose d'individuel. Tous les jeux ne sont pas égalités de ce point de vue-là. Tetris ne l'est, par exemple, pas du tout. Contrairement à d'autres jeux comme les Sims, qui sont ce qu'on appelle malléables. Qu'est-ce que ça veut dire malléable ? Malléable, ça veut dire que ce sont justement des parties qui ne sont pas déterminées strictement par le jeu, dans le sens d'une, soit dans un but de récompense, c'est-à-dire que vous n'allez pas être soit gratifié, soit puni pour telle action. Alors il y a des exemples très simples, le choix de l'avatar, comment on le design n'est pas, a priori, récompensé ou puni. Le nom, bien sûr, de l'avatar, mais aussi, on le voit dans Minecraft, on le voit dans les Sims, la façon dont on va faire les choses ne sont pas, a priori, sont assez souples, malléables, et le joueur va pouvoir y inscrire ce qu'il ressent, lui. Ces espaces-là de créativité sont extrêmement importants pour nous en tant que psychologue, puisqu'ils sont la trace de quelque chose d'individuel, d'une appropriation subjective, c'est-à-dire le fait de se construire dans le jeu vidéo et y déposer des choses, des fois consciemment, des fois surtout inconsciemment. Je vais prendre quelques exemples là-dessus de la clinique et d'histoires que j'ai entendues. Je me souviens par exemple très simplement de Alexis Blanchet qui parlait de Mario Kart et qui voyait ses deux petites cousines qui tout d'un coup, au lieu de courir sur le circuit de Mario Kart, s'étaient arrêtées et dans un tunnel avaient décidé que c'était leur maison et avaient commencé à récupérer toutes les bananes et à les mettre dans la maison et avaient mis des carapaces à l'entrée, à la sortie du tunnel, et c'est-à-dire d'inventer un jeu dans un jeu et là de le détourner. Bien sûr, la question du pseudo, par exemple, est extrêmement importante dans les significations qu'il peut avoir. Le choix du personnage également. Je vais vous donner un exemple issu de la clinique pour ça. J'ai reçu un adolescent qui me parle de ses jeux, qui jouait aux Sims, notamment, qui aimait, comme beaucoup d'adolescents d'ailleurs à ce moment-là, pour tester, mettait son Sims dans la piscine et retirait l'échelle pour voir ce qui se passait. Et évidemment, il se noyait, il en était très content. Dans Dofus, il avait choisi un avatar qui était un Xelor, donc c'est Rolex à l'envers, qui est un type de personnage, et donc je lui demande de décrire les capacités de ce personnage, et elles sont celles de frapper très fort et de pouvoir ralentir les autres en enlevant des points d'action.
Alors, cet adolescent vient me voir dans un contexte de jeu extrêmement important, avec des difficultés, et il a un frère jumeau, hétérozygote, qui est handicapé, ce frère. Et donc, je lui demande par rapport à la cause du handicap. La cause du handicap, selon ce patient-là, c'est que son frère se serait noyé dans la poche amniotique, donc prénatale, hein, avant la naissance. La poche se serait ouverte et il se serait noyé dedans et aurait résulté un handicap psychomoteur très très invalidant. Et ce frère jumeau donc, vit dans la même chambre que l'adolescent. Donc une noyade. Donc, lui, qu'est-ce qu'il joue comme personnage ? Un personnage qui ralentit les autres, qui les handicape. Ce à quoi, au cours du travail psychothérapeutique, nous avons pu aboutir, c'est finalement ce qu'il arrive à me dire au final, après beaucoup de temps de thérapie, c'est que finalement, si lui n'avait pas été là, son frère n'aurait pas été handicapé. Et donc, quelque part, c'est lui le responsable. Ce qui se joue là de façon très, encore une fois, ici signifiante, ce n'est pas toujours le cas bien évidemment, est possible parce qu'il y a une liberté de choix et que c'est le joueur qui choisit. Et donc plus un jeu est malléable, plus évidemment d'où est-ce qu'on va prendre nos décisions, bah, de nous-mêmes tout simplement. Et c'est en ça que, comme le voyait déjà Sherry Turkle à l'époque, les jeux vidéo peuvent être considérés comme des tests projectifs, comme des Rorschach ou des TAT. Venons-en maintenant à la deuxième chose après l'imaginaire, qui sont la question de l'activité. Le jeu vidéo est éminemment une question d'activité physique et mentale. On peut considérer beaucoup de jeux vidéo comme je l'indique, une résolution de problèmes physiques et mentaux, d'adresse et bien sûr de logique pour la plupart. La fonction même du jeu est d'ailleurs de transformer une passivité en activité. Tout jeu suppose une activité. Jouer, c'est faire, comme le disait Wilfried. Or, l'adolescence est une période pendant laquelle on le subit énormément. On le subit constamment. On subit ses parents, on subit la société, on subit les changements de son corps, on subit le regard des autres. Encore une fois, c'est une période qui est intensément fragile, contrairement à ce que l'arrogance adolescente est toujours une feintise. C'est toujours fin. Au final, ils sont tous très fragiles puisque tous vivent des choses pour la première fois, n'ont aucune expérience, regardent toujours vers les adultes qui ont l'air d'avoir tout. Donc, eux, bien sûr, sont beaucoup plus fragiles. Or, de par ces activités, qui sont quoi ? Finalement, le jeu vidéo résume deux choses, contient deux choses. La réalité du jeu vidéo est organisée autour de deux choses, le conflit et l'énigme. Voilà les deux choses qui peuvent résumer, condenser le jeu vidéo, le conflit et l'énigme. Or, le conflit, il y en a constamment, avec leurs parents, mais aussi avec leur père, bien sûr, et en eux-mêmes, bien sûr. Et l'énigme, bien sûr, c'est toutes les questions qu'ils peuvent se poser par rapport à leur place dans la société, par rapport à la question du rapport aux autres, par rapport à la question des origines, par rapport à toutes ces questions qui sont, bien sûr, figurées dans le jeu vidéo. Par rapport à la question du conflit, cela me semble très important, et Marion l'a souligné dans son intervention, ce qui fait que le jeu est intéressant, c'est qu'il arrive à mêler des pulsions contradictoires, c'est-à-dire à la fois je peux être énervé devant un jeu, l'excitation donc, l'agressivité, et en même temps je dois me contrôler pour arriver à performer et à faire mon action. Tout cela suscite un entraînement, et on peut considérer de toute façon les jeux vidéo comme des façons pour les adolescents de se préparer à toute surprise, de se préparer à tout événement, de n'être jamais pris à défaut, finalement de ne jamais se faire avoir. Or les jeux vidéo fonctionnent précisément là-dessus, puisqu'ils ce sont des situations d'apprentissage, on est toujours surpris et on doit tout de suite trouver pourquoi on a été surpris. Pensez à un shoot'em up, au mouvement des ennemis, pensez à un jeu de combat, à ce que va faire l'autre. On doit forcément apprendre de nos erreurs constamment. Or les adolescents trouvent là un moyen d'apprendre à ne plus être surpris, à ne plus se faire avoir, pour être enfin à la hauteur. La question de l'énigme, c'est évidemment une question d'une mise en sens, de mise en ordre des sentiments, des règles de sociabilité également. Je vais passer rapidement sur la troisième thématique. Je vais sauter un petit peu mon exposé pour parler de la question du rapport à soi et de la question du rapport à l'autre. Situation qui est extrêmement intéressante, que Marion a souligné tout à l'heure, c'est comment conjuguer à la fois l'égoïsme et la dépendance. Chose extrêmement importante à l'adolescence, parce que d'un côté, il n'y a rien de pire qu'être seul à l'adolescence. C'est effroyable, c'est la vraie à tout âge de la vie, mais à l'adolescence, c'est encore pire, puisqu'on a forcément besoin des autres. Et en même temps, l'adolescence est une période foncièrement
de quête d'indépendance. Une indépendance qui ne peut pas être donnée, mais qu'il faut conquérir. C'est d'où le sens de tous les conflits et les combats des sujets. Si je joue avec... Si je joue avec Sébastien à côté de moi à Tekken, et s'il est juste à côté de moi, évidemment, et que je suis un très mauvais joueur, mon agressivité est débordante, etc., je vais pouvoir commencer à l'insulter ou à commencer à mal me comporter, ce genre de choses. Et à un moment, ça risque de déraper, où il peut dire, chose extrêmement importante, il peut dire, écoute, j'arrête de jouer avec toi. Alors, pourquoi les jeux sont sociaux ? Tout simplement pour ça, parce que pour pouvoir exercer mon emprise et mon pouvoir et mon égoïsme, j'ai besoin, malheureusement, de l'autre à côté de moi. Et c'est cet enjeu-là entre pulsion, je dirais, enfin, égoïsme et dépendance qui fait tout le sel et tout l'apprentissage d'une sociabilité. C'est vrai pour nous deux, l'un à côté de l'autre devant un jeu vidéo. Ça l'est bien sûr dans tous les groupes, notamment professionnels. On peut penser aux guildes, où il y a un apprentissage subtil de la régulation de groupe et aussi de l'affirmation d'un rôle dans le groupe. On le sait, les études sociologiques le montrent, quel rôle va-t-on prendre dans le groupe ? Est-ce que ça va être un rôle de soutien, un rôle de défenseur, le tank, ou un rôle d'attaquant, par exemple, le DPS dans les MMO ? Or, quand on regarde un petit peu, outre les critères sociologiques classiques tels que les positions féminines sont associées à des positions de soutien en général, quand on s'intéresse plus particulièrement à la personnalité des joueurs, on voit, et à leur vie, on voit également que ces choix-là de poste peuvent être liés à leur problématique ou en tout cas à ce qu'ils font leur subjectivité. Je pourrais prendre l'exemple de plusieurs personnes qui vivent avec des personnes de leur entourage qui sont souffrantes ou malades et qui, dans les jeux de rôle en ligne, par exemple, prennent des soigneurs. On peut penser à ces sujets... qui sont des aînés de famille et à qui on impose des responsabilités et qui vont prendre des rôles de tank parce que le tank, c'est celui qui doit tout porter, qui doit tout subir pour protéger les autres. C'est en ce sens-là que le jeu vidéo, dans sa malléabilité, peut nous intéresser en tant que psychologue, encore une fois, et parce que le rapport au jeu est spécifique à chacun. Alors, là, c'est un peu une invitation, évidemment, aux designers, de ce point de vue-là, de faire les jeux les plus malléables possibles pour que les joueurs puissent se laisser aller du fait d'une désinhibition. Mais pour reprendre aussi sur des situations que nous voyons et qui montrent en quoi le design du lieu, le design, la situation locale où se pratique le jeu a une influence. Tout à l'heure, je parlais de l'exemple avec Sébastien du fait que si je me comportais mal, il pouvait me menacer. De se séparer, d'arrêter le jeu et d'interrompre donc mon plaisir. Ce n'est évidemment plus du tout le cas si je joue à Call of Duty et que peu importe avec qui je joue, et je peux insulter tout le monde parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour jouer. Or, c'est bien ce qu'on voit sur ces jeux-là à l'adolescence où finalement, quand on laisse des jeunes garçons notamment entre eux, entre 13 et beaucoup plus, sans interdépendance réelle, ils peuvent se livrer lié à la désinhibition, en fait, que l'autre ne soit pas juste là et qu'il puisse nous foutre une claque si on fait n'importe quoi, encore une fois, à une succession de décharges agressives. En ce sens, et pour conclure sur cela, c'est surtout à l'âge adulte où on voit le résultat des intégrations et du jeu vidéo dans les souvenirs, finalement, que les adultes peuvent avoir du jeu vidéo. Or, cela est un domaine qui est encore trop peu étudié et qui commence notamment en thérapie quand on leur demande de parler du jeu, de parler des instants qui ont été importants. Ce sont donc trois choses. Premièrement, pour certains, des rapports à l'œuvre, tout simplement, des moments magiques. On peut penser à la mort d'Iris dans Final Fantasy VII. On peut penser à des situations qu'ils ont vécues intensément. On peut penser après aux activités, c'est-à-dire la question de la performance, le triomphe d'avoir résolu certaines énigmes ou d'avoir vaincu un boss particulièrement difficile. Ce sont enfin des situations avec leur avatar. J'en ai trop peu parlé, des histoires de leurs avatars, de ce qu'ils ont investi dedans et surtout des situations collectives, des vécus, notamment en groupe, dans le jeu de rôle en ligne. Je vous remercie. Merci Thomas. Moi j'aurais plusieurs
questions à te poser, mais je vais en garder au moins deux en réserve pour le débat. Mais si tu peux peut-être réagir sur une question que je me pose à chaud, on va dire. Tu as évoqué la question de l'imaginaire, individuel en particulier, puisque tu es psychologue. Tu as parlé de l'intériorisation d'images de soi à l'aide, disons, ou grâce à la pratique de jeux vidéo. Et ça me frappe parce que tu l'as mis plusieurs fois en concurrence, disons, avec d'autres formes, d'autres supports de fiction, d'autres supports d'identité, d'autres supports. Notamment, tu as cité la littérature et le cinéma. Est-ce que tu peux... Alors comme ça va être un peu difficile à y répondre, mais on sait que le jeu a cette spécificité qui est qu'il instaure un rapport procédural à l'œuvre, autrement dit que toutes les actions et toutes les représentations qui s'y déroulent sont fondées sur des règles. C'est une définition notamment qui a été donnée par Jan Bogost, qui est un théoricien influent des game studies. Mais dans ce cas, à ton avis, quelle identité sociale le médium jeu vidéo est-il capable de produire en comparaison à d'autres supports de pratique, hein, je pense notamment à la télévision, où on pourrait même aller jusqu'à un terrain de jeu physique. Hein, donc qu'est-ce que le virtuel apporte finalement? Quel est le point d'articulation, les points d'articulation sur lesquels s'appuie la pratique de jeux vidéo? Enfin, je ne sais pas si, en termes de personnalité peut-être, ou de psychologie. Alors oui, il y a plusieurs choses. Dans le rapport à l'avatar, si on parle de la question des identifications, notamment aux avatars, il y en a ces trois feuillets. Le premier, c'est évidemment l'identification motrice, hein, tout simplement des interactions, sans les identifications sensorimotrices qui font que c'est une identification actée. Celle-là est procédurale et a peu d'intérêt, si je puis dire. La deuxième est celle fictionnelle ou narrative, et là, c'est là où finalement le personnage va, c'est justement le nom, l'histoire, et c'est aussi surtout ce qu'on va pouvoir projeter sur échanger avec lui, notamment, ça dépend, il y a des personnages qui sont des coquilles vides, il y a des personnages qui ont déjà un peu de personnalité, et on va devoir faire avec ce personnage-là, soit suivre, soit le contrarier. Et il y a le troisième niveau qui est le feuillet social, c'est-à-dire, effectivement, quand on joue à plusieurs, la position que j'ai, finalement, moi, en jeu, dans cette vie en ligne, de ce point de vue-là, ce sont encore d'autres interactions qui sont différentes et qui s'agglutinent, s'agglomèrent à ma subjectivité, à mon histoire et à ma personnalité. Et de ce point de vue-là, ça fait une forme de patchwork. Donc, pour répondre à cette question-là, voilà. Après, sur la question de l'identité de joueur en tant que joueur, qu'est-ce que ça fait d'être joueur de jeux vidéo ? Ça, c'est une question extrêmement intéressante et elle est évidemment liée à la place que la culture lui donne. Ce n'est pas la même chose d'être joueur de jeux vidéo en Corée du Sud, et ce n'est pas la même chose d'être joueur de Mario Kart et de joueur de StarCraft 2. Donc, cela varie. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, c'est un outil de socialisation masculine, principale à l'adolescence. On appartient à un groupe, c'est les gamers par exemple, si on investit beaucoup la pratique, certains vont la revendiquer et en même temps il y a une stigmatisation obligatoire nécessaire puisque le fonctionnement adolescent est un fonctionnement assez groupal de même-té et de différence. Je réponds à ta question? Oui, on aura l'occasion peut-être d'y revenir. On va poursuivre le propos de la table ronde. Cette fois, je vais donner la parole à Sébastien Hockoun, qui est donc docteur en sciences de l'éducation et qui est diplômé de Paris 13. Je ne me trompe pas. Sébastien va nous parler plus particulièrement, ça fait justement un point de jonction intéressant, de l'apprentissage dans le jeu vidéo en questionnant notamment les concepts de progression et de compétences, si je ne me trompe pas. Et donc, je te laisse la parole. Alors, merci Wilfried. Vous m'entendez, c'est bon? Ok. Alors, tous les intervenants de l'après-midi ont surtout parlé des autres joueurs et aujourd'hui, je vais surtout parler d'un joueur, c'est moi en fait. Parce que dans ma pratique, possède une grande place à l'intérieur de ma recherche, comme je vais vous l'expliquer. Donc, le titre, c'est Le mur de verre et le mur de papier, la pratique du jeu vidéo à haut niveau comme miroir de soi. Donc, il y a plein de mots simples utilisés de manière un petit peu bizarre. Mais je vais tout vous expliquer et j'espère que ça sera clair à la fin. Alors tout d'abord, je vais me présenter un petit peu plus en avant. Alors à la base, j'ai suivi la formation en game design et gestion de production de SupinfoGame. J'ai enseigné la conception de jeux vidéo à l'Institut de l'Image de l'Océan Indien. Et j'ai passé un doctorat en sciences de l'éducation.
Et donc mon sujet de recherche, c'est l'apprentissage dans les jeux vidéo, et en particulier l'apprentissage des grands jeux, à savoir des jeux qui s'apprennent en une minute et se maîtrisent en une vie. Parce que c'est vraiment le type de jeu qui m'intéresse beaucoup. Alors je vais vous faire une présentation en trois points. La première vous montrera la place du jeu à haut niveau dans ma recherche. Le deuxième point vous expliquera les concepts de mur de verre et de mur de papier. Et enfin, je vous montrerai les conséquences de cette pratique à haut niveau en dehors du jeu vidéo. Alors, donc, tout d'abord, le jeu vidéo à haut niveau dans ma recherche. Donc, je m'intéresse au superplay, pas uniquement, c'est une partie des choses que j'ai étudiées. Et le superplay est une pratique particulière. Comme Thomas l'a dit, on peut jouer de plein de manières différentes. Et le superplay, c'est une pratique qui consiste à essayer de finir un jeu soit en un crédit, soit en une vie. Donc finir en un crédit, par exemple, quand vous avez un jeu d'arcade dans un bar, c'est vous arrivez, vous mettez une pièce, vous commencez la partie et vous arrivez jusqu'à la fin sans mettre une autre pièce. Ou alors vous terminez sans perdre de vie, ou alors vous terminez le jeu en essayant d'aller le plus vite possible ou en ayant le meilleur score possible. Et quand je dis le plus vite possible ou le meilleur score possible, il ne s'agit pas de battre son petit frère ou ses cousins, ses amis. Il s'agit de s'approcher du record du monde. C'est ça l'objectif, en fait. Et le superplay passe forcément par des superplayers, par des joueurs qui ont fait ça. Et donc j'ai interrogé des joueurs expérimentés sur les jeux. Par exemple, j'ai interrogé Thomas sur Alien vs Predator. Et en fait, il a un bon niveau, mais il n'est pas superplayer. Et le problème avec les superplayers, c'est qu'en fait, ils sont peu nombreux. Vous vous en doutez, il n'y en a pas tant que ça. Ils ne sont pas faciles à joindre. Et aussi, c'est difficile de suivre leur entraînement. Car lorsqu'on rencontre quelqu'un, on a le résultat d'un apprentissage. Mais on ne peut pas suivre toute la progression. On n'aura que ce dont cette personne se rappelle. Donc la solution face à cette frustration, elle a été de tenter de m'entraîner moi-même pour en devenir un. Donc, alors voici le jeu que j'ai choisi, donc Alien vs Predator. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait que j'ai été traumatisé dans ma jeunesse par les films aliens. Absolument rien. Et donc, en gros, l'histoire, c'est qu'il y a une invasion d'aliens dans la ville de Sandrad, qui en fait est une allégorie de la ville de San Diego. Et en gros, il faut éradiquer tous les aliens. On peut choisir entre quatre personnages, donc deux prédateurs qui, pour le coup, sont gentils, et deux cyborgs humains, parce que les êtres humains n'affrontent pas les aliens à main nue. Il faut avoir des capacités un petit peu meilleures que ça pour y arriver. Alors, j'avais plusieurs objectifs. Tout d'abord, c'était utiliser uniquement le jeu dans mon entraînement. Donc Marion vous a expliqué plusieurs manières d'apprendre au sujet d'un jeu, en utilisant des sources, des sites, des documentations, en discutant avec d'autres joueurs. Ce que je voulais, c'était mettre en avant les principes d'apprentissage strictement liés au jeu. C'est pour ça que lorsque j'ai commencé mon entraînement, je n'ai pas utilisé de sources extérieures. Je n'ai pas lu d'astuces, je n'ai pas regardé de vidéos de super players à partir du moment où j'ai commencé l'entraînement, parce que j'en avais déjà vu avant. Et mon but était de voir comment je corrigeais mes erreurs et progressais dans le jeu. Parce que quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on progresse dans un jeu, en fait, ce n'est pas tellement qu'on fait mieux, c'est qu'on arrête de faire des erreurs et qu'on en commet en fait, au fur et à mesure de moins en moins. Et donc, je voulais juste essayer de devenir super player. Parce que, en fait, dans ma tête, à l'époque, les super players, c'était des sortes de demi-dieux avec des réflexes surhumains. Je ne pensais pas que je pourrais y arriver. Et en fait, un jour, il s'est passé quelque chose. C'est que je suis arrivé jusqu'au dernier niveau du jeu, sans perdre le crédit. Et à partir de là, je me suis dit que, en fait, finalement, c'est possible. Je peux peut-être y arriver, si je mets suffisamment d'efforts. Bon, en fait, ce que j'ai découvert plus tard, c'est que le dernier niveau du jeu, c'est en fait un tiers du jeu. Donc, j'étais pas vraiment à la fin, quoi. Il restait encore un bon morceau. Mais quand même, après 6 mois d'entraînement, 150 heures de jeu, 150 heures dures, hein, si vous faites ça pendant 3 heures, après, vous pouvez plus jouer correctement. C'est pas une balade, hein, c'est un peu comme une course. J'ai perdu 750 vies en m'entraînant, dans le jeu, hein, pas en vrai. Et donc, après une candidature envoyée à un certain Radigo, est-ce qu'il y a certaines personnes qui voient de qui je parle dans le public ? A priori, non. D'accord, donc ceci ne vous parlera pas non plus. Donc, il s'agit de l'émission Superplay Ultimate sur la chaîne No Life. C'est une émission consacrée au Superplay. Donc, à gauche, c'est moi. À droite, c'est Julien. Et là, il y a écrit Superplayer. Donc, en fait, cette émission est en quelque sorte une consécration. Parce que lorsqu'on a réalisé la performance, on peut dire qu'on l'a réalisée, mais
passer sur Superplay, ça veut dire que des personnes qui sont des Superplayers, qui connaissent le milieu, en fait, vous ont en quelque sorte adoubé. Donc là, maintenant, je peux le dire. Grâce à cette émission, je peux dire que je suis un Superplayer. Avant, je ne pouvais pas. Alors, il y a deux choses à retenir par rapport à cette pratique. C'est que, en fait, avant de commencer l'entraînement, je pensais que le jeu fonctionnait d'une certaine manière. Je pensais le connaître. J'avais joué pendant des années à Alien vs Predator. Je l'avais terminé plusieurs fois en utilisant plein de crédits. Et en fait, pendant l'entraînement, j'ai découvert que je ne savais rien de ce jeu et qu'il permettait des choses que je croyais impossibles. Et grâce à cet entraînement, j'ai aussi découvert que j'étais capable de faire des choses dont je me croyais incapable. Et ce sont ces deux points-là qui servent d'axe pour la partie suivante. Okay. Donc le mur de verre et le mur de papier. Alors je vais commencer par le mur de papier. Donc le mur de papier est une métaphore qui s'explique sous la forme d'une blague. Donc c'est la blague, c'est l'histoire de Robert, le bûcheron, et de sa tronçonneuse. Alors Robert est un bûcheron à l'ancienne, c'est-à-dire la scie, la hache, il connaît, il maîtrise. Et un jour, il entend parler d'un nouvel outil révolutionnaire, la tronçonneuse. Donc Robert se rend dans son magasin de bricolage préféré et demande au vendeur une tronçonneuse. Le vendeur lui explique qu'avec ce nouvel outil, il peut couper une centaine d'arbres par jour. Robert est enthousiaste, il achète la tronçonneuse et l'essaye. Le lendemain, il arrive à en couper 25. Bon, Robert se dit, je débute, je ne maîtrise pas, ça ira mieux avec le temps. Au bout de quelques jours, il arrive à 50 arbres par jour. Bon, on est encore loin. Robert décide de consacrer toute une journée à couper des arbres. Il se lève tôt le matin, travaille toute la journée sans faire de pause, et à la fin, il arrive à 75. Bon, petite déception, il retourne dans son magasin de bricolage préféré et dit au vendeur qu'il y a un souci avec la tronçonneuse. Le vendeur prend la tronçonneuse, l'examine, l'allume, et là, Robert a cette réaction. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» Alors, vous voyez ce qui s'est passé à ce moment-là ? Quand je vous ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» Vous avez, en fait, je viens de détruire un mur de papier. Vous avez supposé que Robert avait allumé la tronçonneuse, qu'il s'en servait de cette manière-là et qu'il était en fait pas très doué. Mais à partir de ça, vous avez compris aussi qu'il a réussi à couper 75 arbres pendant une journée avec une tronçonneuse éteinte. Donc ça veut dire qu'en fait, il est vraiment très très fort et qu'il maîtrise. Donc c'est ça le principe du mur de papier, c'est que vous avez une vision sur un objet, sur quelque chose, et il y a un mur que vous pourriez traverser si vous avez simplement l'idée de la traverser, mais en fait, vous n'y pensez pas. Et donc, ce qui se passe dans plein de jeux vidéo, c'est que la plupart des joueurs n'ont jamais allumé la tronçonneuse. Là, c'est basique, hein, allumer, éteinte, mais plus subtilement, ça fonctionne un peu comme des vitesses. Donc, quand on passe une vitesse sur une voiture, on peut aller plus vite. Et bien, ce qui se passe dans les jeux vidéo, c'est que bien des personnes joue en première et ne passe jamais la seconde. Je vais vous expliquer un exemple dans Alien vs Predator sur comment passer la seconde, s'il veut bien. Voilà. Donc, voici le personnage que je joue, Lynn Kurosawa. Alors, quand j'ai le choix, je joue toujours un personnage féminin. En général, ils sont plus intéressants à jouer et plus difficiles à maîtriser aussi. Alors, le principe de base, lorsqu'on tire avec son arme, elle commence par tirer au sol, puis lève son arme pour arriver à une trajectoire à peu près horizontale. Ce qui fait que lorsqu'un ennemi est, comme sur cet exemple, à 2 mètres, la moitié des munitions se retrouve dans le sol. Donc on gâche la moitié de la puissance de feu de l'arme. Pour passer la seconde, il faut tirer en sautant. Parce que quand on saute, il y a un angle constant de 45 degrés. Ce qui fait qu'en visant correctement, on peut mettre toutes les balles dans l'adversaire. Et si on met toutes les balles dans l'alien, on virtuellement double la puissance de feu de l'arme. Et en passant les différentes vitesses de cette arme, je suis passé de deux conceptions totalement opposées. À la base, je pensais que l'arme de Lynn Kurosawa était la plus faible du jeu. À la fin de mon entraînement, j'étais persuadé que c'était l'arme la plus puissante du jeu. Car à partir du moment où on la maîtrise, c'est réellement la plus efficace et on peut finir le jeu rien qu'avec son pistolet. Donc un mur de papier, c'est une barrière que l'on dresse dans son esprit et qui nous empêche de voir les possibilités qui sont offertes par un objet ou un environnement. Là, par exemple, il y a autour de moi un mur de papier qui m'empêche de me lever, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je reste dans le cadre de la caméra. Donc je pourrais, si j'essayais, mais je risque d'avoir des soucis si je le fais, donc je ne vais pas le faire.
Ensuite, le mur de verre est une métaphore qui s'explique par un exemple, parce que je n'ai pas encore trouvé de blague intéressante à raconter pour celui-là. Donc en gros, c'est un peu comme apprendre à jouer d'un instrument ou apprendre à jouer du vélo. Apprendre à faire du vélo. Donc au départ, on essaye, on tombe plusieurs fois. Et au bout d'un moment, sans qu'on comprenne pourquoi, en fait, ça marche. On arrive à rester dessus. Et même, c'est pire que ça. C'est que si je vous demandais de faire du vélo et de tomber volontairement, vous auriez du mal à le faire. Vous avez pas, enfin, dans votre tête, vous n'avez pas vraiment envie de vous planter. J'ai discuté avec des joueurs d'instruments de musique et c'est également pareil. C'est qu'on essaie de faire un accord, de jouer une musique. On s'entraîne, on n'y arrive pas. Et un jour, ça passe. Et ça passe tellement bien qu'on n'arrive plus à le rater. Donc, dans Alien vs Predator, ce qui s'est passé, c'était cet exemple-là avec ce boss. Donc, pour ceux qui connaissent les films, c'est le Power Loader, donc le robot porteur de charge de Aliens. Donc, il a une attaque particulière qui consiste à foncer sur vous. Donc, on peut l'anticiper, mais il faut aller très vite. Alors, pour éviter cette attaque, il y a deux options. C'est soit on saute au-dessus, mais il faut vraiment anticiper. Soit on fait ce que je fais ici, c'est une attaque spéciale qui permet de l'éviter. Donc, je savais comment faire pour éviter cette attaque. Et pendant longtemps, je jouais, je voyais qu'il allait lancer sa charge. Et donc, je me disais, il faut que je fasse l'attaque spéciale. J'appuyais sur le bouton, mais quelques dizaines de secondes trop tard, et je subissais l'attaque quand même. J'ai fait ça pendant un certain temps, et au bout d'un moment, j'appuyais sur le bouton pour faire l'attaque, et après, je me disais, il faut que je la fasse. Et à partir de ce moment-là, je la réussis systématiquement. Même si j'avais voulu la rater, j'y arriverais pas parce que mon cerveau automatique, donc Marion parlait d'automatisation, mon cerveau l'a automatisé et donc je le fais même sans y penser. Donc le mur de verre, c'est une barrière qui nous empêche de réussir quelque chose mais qui disparaît d'un coup. Donc vous avez cette image, donc on a une surface de verre. Si on frappe avec la bonne force au bon endroit, en fait, ça crée une fissure qui se répand partout. Et la surface de verre disparaît. Et c'est ça que ça représente. C'est qu'il y avait quelque chose qui vous empêchait de faire un truc. Vous faites la bonne manipulation, vous tapez au bon endroit avec la bonne force, et la barrière disparaît. Et elle disparaît tellement que vous ne saviez même plus où elle était. Et que vous passez en fait sans problème à partir de ce moment-là. Donc maintenant, gardez ces deux concepts en tête, mur de verre, mur de papier. Et je vais vous montrer les conséquences, enfin une conséquence de cet entraînement en dehors du jeu vidéo. Et ces conséquences vont me permettre de faire le lien entre... Allez, vas-y. Pourquoi c'est avec... Non, c'est le verre qui est devant, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça, mur de verre, en plastique. Ok. Tac. Voilà, donc c'est pour... Ok, là. Donc, briser ces murs, donc quand on brise un mur de papier, on comprend mieux quelque chose. On réalise qu'on faisait une erreur, et quand on brise un mur de verre, on réussit quelque chose pour la première fois. Et ces deux concepts vont me permettre de faire le lien entre Alien versus Predator et Mon Petit Poney, l'amitié c'est magique. Donc My Little Pony, Friendship is Magic. Qui connaît le dessin animé Mon Petit Poney, l'amitié c'est magique? Il y en a quelques-uns, c'est bien. Alors, non, en fait ça ne marche pas tout le temps. Donc je vous présente Pinkie Pie. Pinkie Pie est un des personnages principaux de Mon Petit Poney, l'amitié c'est magique. Elle représente l'élément du rire et c'est le personnage qui ressemble le plus à un toon. Donc qui peut se déformer, marcher sur les murs, faire plein de trucs bizarres, marrants. Alors en fait, j'ai fait découvrir Mon Petit Poney, l'amitié c'est magique à ma meilleure amie et il se trouve que Pinkie Pie est son personnage préféré. Alors que l'anniversaire de cette amie approchait, ma belle-sœur m'a envoyé ceci. Donc c'est un blog qui donne des modèles de peluches à faire au crochet. Et il y avait une peluche, Mon Petit Poney, l'amitié c'est magique. Pour vous donner un ordre d'idée de la difficulté, voici le modèle de crochet pour le poney, juste pour la tête. Donc vous avez le même pour le corps, les pattes, avant-arrière qui sont différentes, le cou, le nez, les oreilles. Et il y a aussi un truc particulier pour faire la crinière. Donc, avant mon entraînement, j'aurais fait ce raisonnement-là. Donc, c'est le personnage préféré de ma meilleure amie. Son anniversaire approche. Et j'ai un modèle de peluche au crochet. Donc là, mur de papier. J'ai découvert qu'on pouvait faire une peluche, Mon Petit Poney, l'amitié c'est magique, au crochet. Mais je ne sais pas faire de crochet. Mur de verre. Donc, avant l'entraînement, la conclusion aurait été, je trouve un autre cadeau. Après l'entraînement, donc, personnage préféré, l'anniversaire qui approche.
modèle de peluche au crochet, mur de papier, je ne sais pas crocheter, mais j'ai fini Alien vs Predator en un crédit. Et là, je me dis, le mur de verre, je peux le casser. Et donc, j'ai trouvé le cadeau parfait. Alors après, deux livres. Donc, deux livres, parce que j'ai acheté un premier livre sur le crochet, parce que je ne savais vraiment pas en faire. Je l'ai ouvert, j'ai vu les deux premières pages qui étaient sur les techniques de base, je n'ai rien compris. C'était bourré de mots, les mailles en l'air, les mailles en l'air, mailles serrées, mailles coulées, le brin arrière, le brin derrière, enfin, je comprenais rien. Donc j'ai rendu le livre et j'en ai acheté un entier dédié aux techniques de base. Et là, j'ai réussi à comprendre. Donc après, donc 6 pelotes de laine, de la feutrine, du fil et 30 heures de travail, je vous représente Pinkie Pie. Je l'ai faite, celle-là. Ça, c'est mon bureau, en fait. Donc, je l'ai réalisée, je l'ai offert en cadeau. Elle a adoré. Et, en fait, je parlais de miroir de soi pour ça. Parce que ce que la pratique à haut niveau exige, quelle que soit la pratique, en fait, ça marche avec les jeux vidéo, ça marche aussi avec le reste, c'est qu'il faut apprendre sur le jeu, sur l'objet qu'on doit maîtriser, sur la pratique. Mais on apprend aussi sur soi. Et j'ai appris que je pouvais casser des murs de verre et des murs de papier. Et que j'adore ça. Et qu'en fait, j'en ai cassé quelques-uns depuis. Donc là, il y avait la peluche. J'apprends actuellement à jouer de l'ocarina. Et je fabrique un Sonic Screwdriver pour l'anniversaire d'une amie qui m'a aidé à faire mon CV. Donc, voilà. Non mais, attends. Il m'a fait une critique. C'est un CV particulier inspiré de la charte graphique d'Aperture Science dans Portal. C'est ça, c'est le graphisme que je ne pouvais pas. Merci Thomas. Merci Sébastien. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci pour cet exposé, c'est très enthousiasmant et qui invitera nos auditeurs à s'intéresser d'un peu plus près à des univers peu familiers. Je pense qu'on peut, on peut tout de suite passer aux questions. On est dans les temps, ce qui est une très bonne nouvelle. Je propose qu'on prenne tout de suite les questions, les réactions avant les questions, peut-être. Bonjour. Alors moi, j'ai une question, c'est pour Thomas. Vous avez surtout parlé, vous avez à chaque fois, vous êtes revenu, vous avez cité plusieurs fois que c'était très masculin, l'identification aux jeux vidéo. Il y a de plus en plus de joueuses, c'est un truc qu'on voit. Sur la plupart des serveurs maintenant, notamment sur les datas de World of Warcraft, 50% des joueurs sont des joueuses. Et sur certains, c'est quelque chose qui monte encore. Pourquoi avoir marqué autant de fois le rapport masculin dans ce que vous avez parlé de jeux vidéo ? Ouais, voilà. Non, c'est une déformation. Hein. J'ai pris le modèle masculin parce que c'est celui que je vois le plus souvent en fait, et parce que c'est celui qui dans les chiffres est le plus présent pour l'adolescence. C'est plus les garçons qui jouent aux jeux vidéo que les filles, d'après les chiffres, tous les chiffres qu'on a. Donc voilà, maintenant l'identification n'est pas du tout réservée aux garçons, loin de là. En fait, ce que montrait l'étude de Sylvie Octobre notamment, c'est que filles et garçons jouent plus ou moins autant aux jeux vidéo jusqu'à 10-12 ans, pas au même jeu forcément, hein, mais elles jouent plus ou moins autant, et en fait progressivement les filles jouent de moins en moins, ça ne veut pas dire qu'elles arrêtent de jouer, mais qu'elles jouent de moins en moins aux jeux vidéo de façon progressive jusqu'à 17 ans. Alors ça varie actuellement, mais ça c'est les études qu'on a en 2008-2010. Voilà. Après, il y a une étude française qui s'appelle Ludespace qui donnera beaucoup plus d'informations sur la répartition. Et par rapport à la question des identifications, encore une fois, c'est pas du tout lié au genre. Et les filles s'identifient aussi beaucoup, notamment. Alors, elles jouent à des jeux qui sont en partie différents et en partie similaires. Quand j'ai montré tout à l'heure, quand j'ai parlé en tout cas des jeux de rôle en ligne, on voit bien qu'il y a une présence de filles, et on voit bien les modèles qu'ils prennent. Ce que Vincent Berry avait mis en lumière, c'est que les garçons jouent, par exemple, les adolescents peuvent jouer à la fois des personnages masculins et des personnages féminins. En général, c'est 60-40. 60% ils prennent des personnages masculins, 40% prennent des personnages féminins, alors que les filles prennent de façon très privilégiée des personnages de filles. C'est-à-dire qu'elles, elles ne changent pas le genre
par rapport au personnage, en général. Okay, je crois que c'est de l'ordre de 90-10. Vous voyez ? Bon, voilà. Mais après, ça, c'est sur le MMO RPG, pratiquement. Voilà. Je réponds à... J'ai précisé ? Ouais. Merci pour ces interventions. Ma question s'adresse plus particulièrement à Marion et Sébastien, mais je pense que tout le monde peut avoir quelque chose à dire là-dessus. Je remarque que vous êtes à la fois joueur et chercheur, sinon dans le même temps, mais au moins dans le même mouvement, c'est-à-dire que c'est la même personne qui produit du discours scientifique sur le jeu vidéo et qui par ailleurs le pratique en tant que joueur lambda, ou pas lambda si on fait du super play, mais en tout cas en tant que joueur. Et donc, avec cet objet de recherche-là, plus que jamais, le chercheur est toujours déjà dans son objet. Et je me demandais quel problème ça posait en termes de réflexivité de la démarche scientifique et quelle réponse vous pouvez y apporter en termes concrets de méthodologie. Qui commence ? Je vais te laisser commencer. Alors, moi, je parle vraiment dans mon cas. Ça m'a posé plusieurs problèmes, notamment par le fait que j'étais joueuse avant de choisir ce terrain comme sujet de recherche. Du coup, en fonction de ce que j'ai pu trouver, j'ai eu une phase où j'avais l'impression qu'en fonction de ce que j'allais interpréter, je ne voulais pas trahir la communauté de joueurs, si on peut dire. Enfin, ça m'a posé un petit peu des problèmes de attention à ce qu'il faut que je dise, qu'est-ce que je ne peux pas dire alors que je suis moi-même joueuse. Mais pour régler ce problème, honnêtement, au début, je me suis laissée porter par mes impressions. J'ai été plus, on va dire, joueuse dans un premier temps. Et petit à petit, il y a eu un glissement au fur et à mesure de ma pratique. Bon, j'ai vraiment beaucoup pratiqué, on va dire. Et il y a eu un stade où j'ai senti le besoin de me distancier un petit peu, bon, tout en continuant à pratiquer. Mais... de moins en moins. Et actuellement, donc, je suis en train de rédiger en fait mes résultats, ma thèse. Et actuellement, je n'arrive plus à jouer en fait. Et j'ai l'impression d'avoir cette phase de distanciation, si on peut dire. Et je pense qu'une fois que j'aurai terminé, je pourrai me remettre à jouer. Mais là, j'ai beaucoup plus de mal à. Alors, peut-être que c'est vraiment propre à ma pratique. Mais c'est vrai qu'au début, du coup, j'étais guidée par mes sentiments de joueuse. Je fréquentais des groupes par affinité. Alors qu'après, petit à petit, je me suis dit, ça serait bien que je teste tel mode de jeu pour voir ce que ça fait. Je vais arrêter de jouer tout le temps avec les mêmes personnes pour essayer de voir un peu plus. Et petit à petit, je me suis un peu plus laissée guider par les recherches et par les besoins que j'avais pour acquérir cette distanciation, si on peut dire. Sébastien. D'accord. Bon, alors en termes de distanciation, déjà quand on passait du point de vue de joueur à point de vue de concepteur, on doit se détacher un peu de l'objet, quoi. Il ne faut pas forcément donner aux joueurs ce qu'ils voudraient forcément, mais donner ce qui est le mieux pour l'expérience de jeu. Après, le souci que j'ai rencontré personnellement, c'est pendant les entretiens, il arrive que comme on est en face d'un joueur expérimenté, on se retrouve dans un discours de pair avec beaucoup d'implicites et donc des choses qui... implicites et aussi, il peut m'arriver de dire des choses que le joueur ne sait pas et donc après il reprend ce que je dis. Donc en fait, je dois me retenir de parler comme un joueur. Il faut que je n'évoque pas directement le nom des techniques, que je lui demande s'il en connaît en particulier, et que pour les astuces, les passages secrets, les choses comme ça. En fait, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Parce que comme j'ai des connaissances poussées sur les jeux dont j'ai parlé avec les personnes que j'ai eu en entretien, il ne faut vraiment pas les induire. Parce qu'il arrive que je sache plus que la personne sur le jeu sur lequel j'interroge. Donc il faut être très très vigilant de ce point de vue-là. Je peux juste rajouter quelque chose. Moi, j'ai eu l'impression que dans mon cas, ça m'avait plutôt aidé, notamment lors des entretiens, plus pour avoir justement une discussion d'égal à égal, si on peut dire, dans le sens où la personne
pouvait me décrire les choses sans prendre le risque que j'allais, par exemple, juger sa pratique en disant elle n'est pas joueuse, donc elle ne peut pas comprendre les enjeux que ça implique. Par exemple, quand on me disait j'ai passé mon week-end non-stop à jouer, ils n'hésitaient pas à me le dire et ils me l'ont fait savoir après en disant comme tu es une joueuse, je me suis dit que tu pouvais comprendre que je pouvais passer beaucoup de temps sur le jeu, que c'était pas quelque chose, que c'était pas une addiction. Ça enlevait un certain nombre de craintes. Du coup, pour moi, ça m'a un peu facilité les choses sur cet aspect-là. Je confirme. Ça aussi, ça aide beaucoup d'avoir la relation de pair avec la personne qu'on interviewe. De manière générale, la question que tu poses, elle n'est pas spécifique à l'étude du jeu vidéo. La question de la distance dans les sciences, du rapport à l'objet qu'on étudie. Il me semble que les phénomènes qu'on souhaite étudier, que ce soit en sciences humaines ou en sciences dures, on va dire, pour faire une distinction un peu commune, les phénomènes sur lesquels on s'interroge sont déjà des phénomènes auxquels on s'intéresse. De fait, ils ne nous parlent pas naturellement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours une part de ton... Il faut bien que tu t'intéresses à ton sujet pour un peu lui trouver des points d'intérêt, pour lui trouver une... Je veux dire par là que ce sujet te parle avant même que tu le formalises qu'éventuellement tu établisses un corpus de données, etc. Il s'adresse quelque part, enfin, d'une part, il y a une attention qui a été portée par toi en tant que chercheur, donc je parle pour nous aussi, si on est tous réunis autour de cette table. Mais d'une autre manière, avant même de miner d'une certaine manière de la donnée sur le phénomène auquel tu t'intéresses, il faut quand même se dire que, en tant que tel, si tu ne le fais pas parler, ton sujet, il n'aura peut-être pas grand-chose à te dire. Et d'une autre manière, quand on voit la diversité des débats sur le jeu vidéo, ou même sur la question de l'amateurisme dans l'art, la question de ce qu'est aujourd'hui le travail, les conditions de travail, c'est tout un tas d'objets, plusieurs spécialistes ne se prononceront pas de la même manière sur l'objet. Donc c'est toute la grande question de comment on aborde un objet, mais et puis d'une part aussi de comment on va le faire parler, au nom de quoi, et donc je dirais que c'est inévitable. Évidemment, on s'est intéressé aux jeux vidéo parce que on a eu à un moment donné un contact avec cet objet. Je pense que tout chercheur qui prétend le contraire ne produira pas grand chose d'intéressant sur le sujet, mais c'est après, ça reste un avis un peu aussi extérieur. La question du coup, c'est comment assumer ça en tant que chercheur et comment en tirer meilleur parti pour la recherche. Vas-y, réponds. C'est une illusion, la neutralité scientifique en sciences humaines, c'est tout. Enfin, faut reconnaître les choses. Les ethnographes nous l'ont bien appris. Ils font un journal de terrain, il y a une réflexivité. Non, il y a affirmer une position. Il y a même beaucoup de chercheurs en sciences humaines maintenant qui ont des positions politiques ou engagées, qui les revendiquent. Ça n'empêche pas la qualité des affirmations et des argumentations. Donc de ce point de vue-là, non, il y a une position. Effectivement, ça a toujours été le cas dans les sciences humaines par rapport au moment où on travaille un phénomène de société qui est nouveau. Ça a toujours été le cas. Ceux qui ont travaillé sur la BD, sur le rock, tous les phénomènes minoritaires, ils ne sont pas encore légitimes. Il y a nécessairement cette idée-là d'avancer un travail qui, parce qu'on le suppose stigmatisé, il y a beaucoup, et c'est ça qu'il y a à déconstruire, c'est plutôt parce qu'on veut défendre quelque chose, parce qu'on pense qu'il est attaqué. Et que si on fait un travail préalable de déminage, et ce que font assez bien maintenant l'étude des polémiques, notamment poser les polémiques d'où elles viennent, on peut tranquillement oublier cette notion qui vient des sciences dures, de la neutralité et de l'impartialité. Non, on peut dire on est joueur et chercheur, ça ne change rien. Je suis entièrement d'accord, même dans cette démarche de légitimer aussi le jeu vidéo comme objet de recherche, il y a quelque chose de politique presque, parce que le jeu vidéo reste un objet... disons qu'il y a une mauvaise image, qui n'est pas totalement légitime, mais... De moins en moins, fort heureusement. Mais je me demandais en fait comment lier l'expérience vraiment du joueur à celle du chercheur. Est-ce qu'on joue de la même façon un jeu vidéo quand on le regarde en tant que chercheur et en tant que joueur, et comment méthodologiquement lier les deux? Marion, tu réponds sur quoi? Oui, par rapport à cette question. Je pense que c'est... Enfin, moi, au début, je m'étais dit, je vais faire des phases où je serai que joueuse et je fais des phases où je serai que chercheur.
Tout au début, je m'étais dit, ça va être facile, j'aurais qu'à planifier. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible de mettre le regard du chercheur au placard complètement. J'ai l'impression qu'on a les deux aspects en nous et qu'on va forcément avoir un petit côté, quand on joue, repérer telle chose et le mettre dans un coin de sa tête en disant « ça, bah, plus tard, ça pourra me servir ». J'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment différencier les deux, que ça coexiste et que justement, c'est ça qui est important parce que ça va générer après des processus réflexifs parce que justement, on est conscient de ce double rôle, on veut éviter que justement, il y ait tout un tas de polémiques, on veut se justifier un peu. Et en réfléchissant à ce rôle, en engageant un petit peu de réflexivité sur notre manière de faire, ça peut engendrer sur des pistes qui sont intéressantes et qui peuvent même étoffer les analyses. Alors, on va peut-être prendre une autre question. De manière juste pour terminer, moi, je veux dire que je n'étais pas d'accord avec ce que disait Thomas. Je ne crois pas que l'objectivité soit une illusion. Je crois qu'il faut arriver à intégrer la façon dont on intervient dans notre recherche et l'intégrer comme une donnée de recherche, faut intégrer cette intervention comme une donnée de recherche elle-même. À partir du moment où tu assumes que tu fais une recherche sur un objet et que tu l'expliques et que tu définis tes critères, tu es entre guillemets safe d'un point de vue méthodologique. On va peut-être prendre une autre question de la. D'une autre manière, ce que disait Sébastien était aussi très intéressant, c'est que être concepteur de jeu, c'est aussi déjà réfléchir sur. Sur l'usage du jeu et donc de ce point de vue-là mettre en place un procédé de réflexivité. Une autre question peut-être. Bonjour, moi c'est une question plus directement adressée à Sébastien. Du coup, c'était sur le concept de mur de papier, ne serait-ce que dans l'exemple que tu as donné, on voit bien que le mur de papier c'est une frontière dont on n'a pas conscience avant. À la différence du mur de verre, on se cogne dedans jusqu'à ce qu'on trouve le moyen de le détruire, et du coup, il disparaît, et on ne sait même plus où est-ce qu'il était, puisqu'on n'arrive même plus à... On a dépassé le stade où ce mur peut se matérialiser pour nous. Pour le mur de papier, j'imagine que... Enfin, souvent, ne serait-ce que dans l'exemple de la blague, on a besoin que quelqu'un nous dise « Ah, mais là, il y a un mur !» pour qu'on se rende compte qu'il y en a un, et finalement, le traverser. Et du coup, je me demandais... Vu que dans ta démarche de devenir super player, tu t'es décidé à seulement te plonger dans le jeu et à plus regarder des vidéos, etc. Enfin, apparemment, de ce que tu nous disais, comment on fait pour traverser ces murs de papier si on n'arrive pas, si on n'en a pas conscience, quoi. D'accord. Bah, en fait, on réalise, c'est que le mur de papier, c'est pour ça que j'ai utilisé cette métaphore, c'est que donc c'est un mur qui a l'air d'un vrai mur solide. Mais le jour où on s'appuie dessus, on se rend compte qu'on le traverse. Le truc, c'est que si on ne se pose pas la question d'essayer de vérifier si c'est un vrai mur, on ne va jamais le traverser. Donc c'est pour ça que de temps en temps, ce qu'il faut faire, c'est agir d'une manière non conforme à ce qu'on croit. Juste tester des choses, voir ce qui se passe. Et là, de temps en temps, on découvre des trucs. À un moment, c'était donc face à un boss dans Alien vs Predator. À un moment, par hasard, je me suis retrouvé sur une caisse. C'était là, la reine alien. Et quand elle s'est retournée pour se mettre face à moi, je me suis retrouvé en fait à un endroit particulier où elle ne pouvait pas me taper. Et je dis, ah ben tiens, je suis en sécurité là. Donc, elle attaquait autour, il ne se passait rien du tout. Et donc, au final, donc c'était fortuit. J'ai traversé par hasard ce mur. Et après, je me suis basé dessus, et maintenant, ma technique pour la battre est simple. J'arrive, je saute dessus, et je lui tire dessus. Et je la bats comme ça, quoi. C'est, en fait, un combat qui a semblé très, très difficile au départ. Et en fait, apparaît comme très facile à partir du moment où on a trouvé la bonne technique, quoi. Qu'on a trouvé le bon mur et qu'on l'a traversé. Oui, aussi. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, tu as compris qu'un jeu vidéo, c'est une question d'espace et de placement, et qu'il y a des zones et... Il faut avoir cette lecture-là, ce que n'ont pas tous les joueurs. Et comment on explique le passage, justement ça m'intéresse. Comment, à un moment donné, en tant que joueur, on ne voit plus des assets, on ne voit plus des formes qui ont été, voilà, qui ont une, qui peuvent être par ailleurs qualifiées esthétiquement, etc. Et comment on s'aperçoit qu'en fait, on traite avec des boîtes de collision, un espace de coordonnées, etc. Système de coordonnées, pardon. Ok. Alors, on s'en rend compte. Je m'en suis rendu compte personnellement en jouant. Pardon ?
Il y a de ça, oui. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le jeu, il y a une différence entre ce que montre l'écran et en fait la réalité physique de ce qui se passe derrière, entre guillemets, physique. L'exemple clé, c'est Ikaruga, c'est un shoot'em up. On a un vaisseau qui fait une certaine taille à l'écran. Et en fait, on réalise, quand on connaît bien le jeu, que la boîte de collision du vaisseau, donc sa réalité physique, c'est une toute petite partie. Donc en fait, on ne joue pas avec un vaisseau qui fait cette taille-là, on joue avec un vaisseau qui fait cette taille-là. Et il y a des éléments autour qui ne servent à rien en termes de collision. Et en fait, ce décalage entre les deux, ça fait que le jeu, en fait, par exemple, quand il y a plein de boulettes ennemies qui arrivent, la situation a l'air plus critique qu'elle ne l'est. C'est-à-dire, si on ne sait pas qu'il n'y a que le milieu qui est vulnérable. Et ça change complètement, ça fait que le jeu est plus profond et donc la connaissance qu'on a de son fonctionnement permet de mieux le lire et donc de mieux comprendre ce qui se passe. Et là, comme ça, on change complètement la vision de ce qu'on a à partir de la même image. En fait, tu as parlé de lecture et il y a de ça, c'est la manière dont on lit. Et ce que disent les super players, c'est que pour y arriver, ce n'est pas une question de réflexe. Il faut lire le jeu pour savoir ce qui va se passer légèrement en avance. Un peu comme un Jedi, en fait. Les Jedi voient tout légèrement en avance, mais là, c'est un peu de ça. Oui, mais alors, Sébastien, du coup, d'une certaine manière, je ne fais que redire la question que vient de poser Wilfried. Comment on fait pour apprendre à lire correctement et comment s'opère ce basculement? Quelles sont les conditions ou les moyens ou les outils qui permettent d'opérer ce basculement? Pendant ta présentation, à t'écouter, ça me faisait beaucoup penser à la question des modes de basculement par lesquels un paradigme scientifique donné se trouve ensuite remplacé par un nouveau. Donc la question finalement des changements paradigmatiques, de la capacité à observer des anomalies, etc. C'est tout à fait ça. On a une vision d'un fonctionnement. À un moment ou à un autre, il y a un truc qui arrive et qui nous dit il y a un problème. Et là, donc, il y a le joueur qui décide d'ignorer le problème, continue à jouer comme il le savait, et le joueur qui veut creuser un peu plus. Et à partir de là, en fait, je dirais, vu comment je le ressens, c'est qu'il y a l'automatisation et l'aspect conscient. C'est qu'une fois que tu as repéré qu'il y a un problème, tu peux te renseigner, trouver des informations, tester, et tu sauras de manière consciente. Enfin, tu auras un nouveau paradigme de manière consciente. Et il faudra l'intégrer de manière automatique. Et là, ça passe par la pratique. C'est force de le faire. Et comme ça, par exemple, que j'ai réussi à battre le power loader. C'est en fait intégrer quelque chose que tu sais déjà, mais directement dans la pratique, en automatique. Oui, mais comment tu vois cette anomalie? Comment tu peux C'est quoi les conditions qui te permettent de la voir? Je crois que Marion voulait ajouter quelque chose. Alors, je ne sais pas si j'ai tout à fait compris comment on pouvait la voir, mais je pense que pour y accéder, c'est à force de pratique. Justement, des fois, on peut y arriver en essayant et subitement, ça se passe et ça marche, comme l'histoire de la caisse, là. Mais peut-être que comment on la voit, quand on arrive à passer au stade d'après. Enfin, je ne sais pas si... Après j'arrête, mais... Non, mais pour la voir, c'est une question de conscience, en fait. Pour la voir, c'est-à-dire qu'il faut la supposer, il faut l'attendre. C'est-à-dire que ce que dit Sébastien, c'est finalement il y a que le conscient. Beaucoup de façons de jouer sont en mode automatique. C'est de l'automatisme. Beaucoup de choses sont réflexes, intégrées, calculées, on les fait. Mais dans sa lecture, elle est consciente dans le sens où tout d'un coup il voit quelque chose auquel il s'attendait et qui soit n'arrive pas, soit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Et souvent, effectivement, je pense qu'on l'ignore, en fait. On n'y fait pas attention. Moi, je l'ai vu, on en a parlé ensemble, sur le temps de rechargement, sur le même jeu, sur le fait que, par exemple, quand on saute, il s'est rendu compte que le temps de rechargement est beaucoup plus court que si on ne saute pas. Mais ça, il l'attendait, c'était quelque chose d'un test. Par contre, là où il a vu quelque chose de différent, c'est quand on fait je crois que c'est celui-là où on est invincible pendant quelques temps. Ça, c'est, tu t'en es rendu compte, tu l'as vu à un moment et il s'est rendu compte que normalement il devait mourir. Et il s'en est rendu compte. Mais parce que je pense qu'il était attentif à ce genre de choses, parce qu'il était dans une démarche de prévision. Après, voilà, c'est ma dernière reformulation. Et typiquement, on sait bien que
on peut avoir un joueur, ou d'ailleurs ça ne concerne pas seulement le jeu vidéo, qui peut, on peut passer 2000 heures sur le même jeu, à refaire les mêmes choses en boucle, en boucle, en boucle. Essayer de voir où est le problème, ou comment progresser, et tu l'as très bien montré pendant ta représentation, et à un moment donné, ça ne te permettrait pas, ça te permettra pas forcément de progresser. Donc le basculement, comment, voilà, comment il s'opère ? Ça ne nous renseigne pas sur les conditions précises du basculement, c'est ça que tu essaies de dire ? Ok, d'accord. Eh ben, tu vois, ça travaille peut-être qui mobiliserait des gros apports de données en sciences cognitives, peut-être sur, C'est possible. Je pense que ça serait poussé plus loin. Là. En fait, c'est justement savoir les conditions dans lesquelles on construit le mur et les conditions qui le brisent. Et je n'ai pas de réponse à te donner en me basant sur des données, parce que c'est ce que j'aimerais poursuivre après, tu vois. On va. Donner juste une idée là-dessus au niveau cognitif, ce qu'on sait par exemple de l'étude des enfants normaux, précoces et retardés, c'est que dans les systèmes et notamment dans les jeux, en fait, les enfants normaux et surtout les enfants précoces, en fait, quand dans les systèmes de règles, ils cherchent très très rapidement, en fait, il y a un effet d'extinction avec la répétition, et en fait, ils cherchent très rapidement à tester les règles, voir si elles sont, si une fois qu'elles sont intégrées, à les déséquilibrer. Alors que les enfants qui sont en bas âge, qui sont, les enfants qui sont retardés, en fait, répètent constamment les mêmes règles. Les signes de précocité intellectuelle, c'est celles où les règles sont très vite apprises, ça devient embêtant, et finalement, ils testent constamment des règles. Alors, on le voit principalement sur les jeux vidéo, dans tester constamment les règles du programme et essayer de voir, en fait, comment ça marche, comment ça fonctionne. Et on le voit dans ceux qui... ce que Bartle décrivait comme les explorateurs, c'est-à-dire ceux qui cherchent les bugs, ceux qui cherchent... C'est une démarche, quoi. Donc le jeu vidéo prolongerait ce mécanisme infantile qui est de tester son environnement par erreur et tâtonnement. On va peut-être prendre une autre question pour changer de... Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question qui peut-être s'éloigne un peu du débat. C'est par rapport à tout ce qui est l'e-sport et donc l'arrivée, on va dire, du pro-gaming. C'est-à-dire que moi, par exemple, encore jeune, je joue aux jeux vidéo sans qu'il y ait vraiment d'idole de réussite. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'e-sport et des joueurs professionnels qui sont parfois affichés comme vraiment des modèles de réussite, est-ce que ça va porter un changement dans le comportement peut-être des plus jeunes ou des personnes plus sensibles, on va dire, à la communication, dans leur comportement vis-à-vis du jeu vidéo ? Ça l'est déjà. En fait, on voit les modèles en Corée du Sud, on le voit beaucoup, mais en France déjà, moi je vois des adolescents qui suivent les matchs de certains stars, et que le phénomène est assez similaire à Ibrahimovic pour les fans de foot, quoi. C'est des modèles similaires, quoi, et avec une forme de copie, d'inspiration, de modèle. Il y a des phénomènes similaires. Alors après, la question de l'identification au sens de je veux dire, c'est plus une identification sportive, parce qu'il y a une proximité dans comment ils jouent. C'est pas une identification sur le statut, si on peut dire, c'est-à-dire sur les conséquences d'être. Bref, c'est pas pour l'argent qu'on aime le champion de StarCraft 2, c'est comment ils jouent, en fait, précisément. Donc, de ce point de vue-là, c'est des phénomènes qui sont assez similaires. Moi, je pense qu'on commence à les voir, et c'est lié, surtout, on le voit avec les phénomènes du net et de YouTube et de ce genre de choses, quoi. Là, je voyais tous les matchs, puis les gaming houses, tout ce modèle-là favorise cela, et on le voit bien. Ouais. C'est une culture vraiment institutionnalisée. Là, ne serait-ce qu'avec League of Legends et tous les tournois qui sont diffusés, on voit quand même qu'il y a des joueurs qui posent énormément de questions sur l'image du joueur professionnel aussi, parce que... ils voient qu'on peut jouer, qu'on peut éventuellement peut-être, avec un très bon niveau, devenir professionnel. D'ailleurs, sur League of Legends, ça s'est souvent montré en tournoi. Là, récemment, il y a eu des joueurs amateurs qui avaient été sélectionnés pour faire des remplacements dans les équipes, dans les tournois officiels. Du coup, je pense que ça suscite quand même une envie peut-être de voir qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les conditions pour devenir joueur, et peut-être... devenir une opportunité de... Enfin, une stimulation, si on peut dire, pour essayer de performer dans le jeu et d'être plus... Mais après, je pense qu'il y a aussi une identification, non pas à l'image du joueur professionnel, mais aussi peut-être
un style de jeu particulier. Parce que je vois qu'il y en a qui essayent vraiment de reproduire la manière de jouer d'une personne, d'un joueur en particulier, parce qu'il l'aime bien, parce qu'il trouve qu'il prend des risques, parce que, enfin, tout un tas de choses comme ça. Et que ça, c'est vraiment encouragé justement par la médiatisation de toutes les parties, par le fait de pouvoir le retrouver très très facilement sur Internet et par tout un tas de sites qui répertorient ça, si on peut dire. Enfin, là, pour League, il y a notamment les sites comme Millennium, Eclipsia, enfin, tout un tas d'endroits où on trouve des vidéos pour pouvoir faire comme les professionnels. Une autre question ou peut-être une réaction ? Non, c'est bon ? Et donc, ma question, c'est, est-ce qu'un joueur pro, c'est encore un joueur ? On a 3 heures, là ? Je pense que c'est un peu compliqué pour le... Enfin, pour moi, un joueur pro, ça reste un joueur dans le sens où il va utiliser le même dispositif de jeu, où il va, lors de son entraînement, côtoyer les joueurs qui ne sont pas rémunérés pour l'activité. Où justement la transition entre le joueur amateur et le joueur professionnel peut se faire si on a de très bonnes compétences. Après, je pense qu'un joueur professionnel, c'est un joueur à l'extrême, dans le sens où c'est un joueur qui a les possibilités de s'entraîner de manière très régulière sans être inquiété par les... Enfin, parce que jouer pour devenir joueur professionnel, il faut beaucoup s'entraîner. Et du coup, financièrement, par exemple, bah, on ne peut pas travailler forcément à côté pour réussir à devenir professionnel. Enfin, il y a tout un tas de données, on va dire, qui fait que... Désolée, je suis en train de me perdre. D'une manière générale, tu peux répondre. D'une manière générale, la question que pose Edwige est une question classique, si je puis dire, de Game Studies. C'est une question que posait notamment un philosophe et sociologue qui s'appelait Roger Caillois dans un livre Des jeux et des hommes. C'est la question effectivement de la professionnalisation du jeu. Et est-ce que, donc, lui parlait plutôt des cyclistes et des boxeurs, mais il se demandait effectivement si le raffinement des règles, le raffinement des compétences que suppose une professionnalisation de la pratique de jeu, n'est-elle pas une forme... Est-ce que l'on ne s'écarte pas de ce qui est proprement le jeu lorsque nous évoluons vers ce raffinement des règles ? Et est-ce que finalement les joueurs professionnels sont encore en train de jouer ou est-ce qu'ils travaillent ? Bon, voilà, est-ce que c'est encore du jeu ? Est-ce que c'est du sérieux ? Bon, il y a une réponse qui a été donnée assez... c'est quelque chose d'assez débattu. Moi, je pense que, si je peux donner mon avis là-dessus, c'est que tout simplement, le joueur professionnel ne négocie pas de la même manière que le joueur standard. Il ne négocie pas de la même manière les conséquences de son jeu. Il lui attribue des conséquences qui peuvent avoir de véritables une réalité propre, notamment le gain d'argent. Donc tout simplement, c'est une question qui a été très débattue, mais qui aujourd'hui trouve, moi je trouve, qui n'est plus débattue sur le modèle classique de Keiwa, de savoir si quand on va vers la profession, on s'éloigne du jeu. En fait, on est toujours dans le jeu, seulement le caractère négociable des conséquences du jeu n'est plus le même. Il évolue vers des conséquences réelles, du coup, voilà, tout simplement. Je sais pas si... J'ai juste retrouvé ce que je voulais... ce que je voulais rajouter, c'est que le joueur professionnel, donc il va avoir ses compétences de jeu très développées, mais il va aussi avoir tout l'aspect communicationnel autour, avec la gestion des interactions avec les joueurs, la proximité, une certaine visibilité, où il va devoir apprendre justement à maîtriser des processus communicationnels à travers les réseaux sociaux, à travers son image, lors des tournois, avoir un comportement qui va s'éloigner un petit peu du comportement que peuvent avoir les joueurs, ne serait-ce que, par exemple, gérer la tension et l'énervement. Enfin, j'avais vu un exemple où, justement, quand on joue, si on est énervé, on peut quitter la partie et puis revenir après. Et en tournoi, il y a un des joueurs qui avait fait ça. Et après, il a été sanctionné. Enfin, le joueur professionnel a été sanctionné parce que c'était pas cautionné, on va dire. Donc, le joueur professionnel est, dans un sens, un peu comme le joueur, parce qu'il utilise le même...
le même dispositif, mais il n'est pas tout à fait un joueur parce qu'il est soumis à d'autres contraintes et doit développer d'autres compétences. Moi, c'est mon avis. Je serais assez, sur cette question très précise, intéressé d'écouter la réponse de Sébastien. Merci. Alors, en fait, je dirais, en gros, le joueur professionnel, quand on lui demande est-ce qu'il joue quand il est sur un terrain, il répond oui, c'est un joueur. S'il répond non, c'en est pas un. C'est selon la manière dont il perçoit l'activité. Bonne réponse. D'ailleurs, ce qu'on dit quand les footballeurs rentrent sur le terrain, on dit les joueurs, on ne dit pas les sportifs, on ne dit pas les footballeurs, on dit les joueurs rentrent sur le terrain, un joueur est sorti. Donc, dans le cadre du jeu, strictement du jeu, de l'activité, oui, ce sont des joueurs. Après, le fait qu'ils gagnent de l'argent ou qu'ils soient punis parce qu'ils ont perdu, c'est autre chose. Mais c'est que c'est la réponse, c'est pas, je dirais, l'un ou l'autre. La question est peut-être mal posée, en fait. C'est la question des cadres, en fait. C'est des filtres. Une situation, elle a toujours, il y a plusieurs filtres au-dessus, voire elle ne se pose pas, tout simplement. Je pense qu'on a le temps de prendre encore deux ou trois questions. C'est une question qui s'adresse un peu plus à la présentation de Marion, mais qui pourrait concerner tout le monde. En fait, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça met effectivement bien en avant, et cette question le montre, la variété des manières de jouer et du coup, et la façon dont... une chose qui m'a intéressée, moi, puisque j'ai fait un travail un peu similaire sur World of Warcraft, à un moment, c'est justement de voir comment le jeu permet de répondre à la variété des manières de jouer et à rendre chacun des joueurs attentif à ces situations de jeu. C'est-à-dire, tu dis, il faut lire le jeu, mais quand on joue à plusieurs, il faut aussi lire la façon dont les autres jouent. Et sur WoW, il y a quelque chose qui est très bien pour ça, c'est les modifications d'interface qui permettent de renseigner à sa manière, chacun à sa manière, les informations dont on a besoin pour se coordonner ensemble. Pour donner juste rapidement un exemple, on avait fait une petite expérience avec des collègues, parce que moi j'avais ramené des collègues en jeu en plus, d'avoir quatre écrans qui suivaient la même scène, d'enregistrer quatre écrans sur une même action, et les écrans sont complètement différents, et les points de vue sur les situations de jeu sont complètement différents. Donc la lecture du jeu, en fait, elle varie énormément en fonction de son approche, de son apprentissage. On voit bien qu'il y a des manières de jouer très variées. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu observes sur League of Legends et... Oui, sur League of Legends aussi, j'ai remarqué la même chose. Parce que dans les 5 joueurs, normalement, il y a des personnages qui ont plus ou moins un poste associé où on pourrait faire le rapprochement justement avec le tank, le DPS et le heal de WoW. Là, il y a la même chose. Il y a celui qui va faire des dégâts magiques à distance, celui qui va faire des dégâts magiques au corps à corps, celui qui va justement avoir le rôle de support de l'équipe. Et du coup, je pense qu'on ne développe pas la même chose. Par exemple, quand j'ai commencé à jouer au début, vu qu'on m'avait dit « tu es une fille, donc tu vas jouer le rôle du support ». Et je n'ai pas du tout développé la même lecture du jeu que mon ami, par exemple, qui attaquait avec son personnage. Ce n'était pas du tout la même chose. Et lorsque j'ai voulu, je me suis dit, je vais essayer un autre rôle, j'ai dû apprendre qu'est-ce que ça voulait dire, en fait, que jouer un autre style de personnage. De la même manière que ce que j'avais fait quand j'avais joué justement à World of Warcraft, quand mon chaman, c'était un healer, et puis finalement, je suis passée DPS, et ce n'était plus du tout la même chose. Du coup, ça implique une autre lecture du jeu. Et je pense que c'est essentiel de connaître à peu près toutes les lectures du jeu quand même pour réussir à comprendre comment fonctionne l'équipe et réussir à bien se coordonner. D'où l'intérêt de la double spécialisation, d'ailleurs. Oui. Juste une question de novice. Est-ce qu'il y a des jeux qui fabriquent plus, enfin qui sont plus propices à la fabrication de professionnels que d'autres Qu'est-ce que vous entendez par fabrication de professionnels? J'ai l'impression que des jeux où le performatif, le classement sera plus important. D'accord, on ne parle pas de professionnels de jeu, on ne parle pas de concepteurs. Vous voyez, non, des professionnels, des joueurs professionnels. Okay. Qui veut répondre? Il y a les MOBA et puis tous les jeux... Non, c'est pas ça. Je crois que la question, c'est de savoir dans quel jeu il y a potentiellement... on pourra potentiellement trouver des professionnels. Oui. Oui, des joueurs professionnels, c'est ça? Des joueurs pro. Il y a effectivement les MOBA qui sont en grand développement, qui sont en train vraiment de se développer au niveau de l'e-sport, avec League of Legends, Dota, tout ça. Et il y a d'ailleurs, il y a de plus en plus
de tournois qui sont diffusés sur Internet, qui ont de plus en plus de prix très élevés qui sont offerts aux joueurs. Les finales se jouent dans des endroits plutôt très grands, très spacieux. Enfin, il y a tout un mode de spectacularisation, je pense, autour de ça. Et donc, moi, je vois les MOBA. Après, je pense que les jeux de style StarCraft et tout marchent aussi, mais je suis moins... En fait, ce que je dirais globalement, en termes, pour qu'on puisse avoir une compétition dans un jeu, il faut que le jeu suive une logique de l'agone, selon Kaiwa. En fait, c'est que le résultat dépend des compétences. Car s'il y a un facteur chance qui est trop important, la compétition ne pourra pas avoir lieu dessus. Donc il faut ça et il faut la popularité. Voilà, en gros, je pense que c'est les deux conditions, a priori indispensables, après il y en a d'autres. Alors je ne comprends pas pourquoi, dans ce cas-là, World of Warcraft pourrait rentrer... Pourquoi il n'y a pas de professionnels, de joueurs pro? Parce que ça reste, relève un peu de la gueule. Ça, c'est pas... Non, je veux dire qu'ils sont rémunérés pour... Enfin, dans le même cadre, pourquoi il n'y a pas d'e-sport? Voilà, pourquoi il n'y a pas de compétition? Non, mais que en PVP. Pourtant, ça pourrait être... Peut-être répondre ce qui est intéressant. Les MOBA, c'est une chose. Globalement, tu vas trouver une... En termes de genre, les genres de jeux qui sont privilégiés, reconnus comme étant des lieux de développement de compétences ludiques, c'est essentiellement les jeux stratégie en temps réel. Et sans vouloir donner d'explications, on peut en donner plein, tu vas trouver chez... c'est peut-être lié à une culture du jeu qui est liée, qu'on trouve chez les pratiquants de Wargame, qui était quand même assez... Donc Wargame, type, je ne sais pas si tu vois un peu les jeux type Warhammer, les jeux de plateau, qui sont des jeux de plateau, des jeux traditionnels. On trouve, il y a une lignée quand même de joueurs qui... c'est pas une question de revendication, quoi. Mais il y a une lignée de pratiques qui s'inscrit dans cette culture du jeu-là, du jeu traditionnel. Je veux dire. Après, évidemment, ce n'est pas le seul genre. On peut en trouver... voilà. Une dernière question. Non, mais c'est juste aussi pour apporter une précision à la question précédente. C'est que au-delà de aussi cet aspect stratégique ou on va dire compétitif qu'il peut y avoir, aussi ce qui est important, je pense, dans les jeux qui favorisent l'e-sport, c'est aussi le spectacle qu'il peut y avoir. Je pense donc particulièrement à StarCraft, où quand une bataille s'engage, on le sent et ça, à l'écran, ça se voit. Ou League of Legends aussi. Et je prends aussi l'exemple de Blizzard, qui ont tenté dernièrement de populariser, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le jeu Hearthstone, donc, qui est un jeu de cartes à tour par tour, et qui, donc, au niveau, on va dire... e-sportif connaît peu de succès au final parce que c'est long à regarder, c'est même si on peut. Il vient d'être lancé. Hein ? Il vient à peine d'être lancé. Oui, c'est vrai, mais je suis en mémoire sur l'e-sport et du coup j'ai rencontré quelques personnes. Et de manière générale, les gens s'attendent. Il paraît évident que League of Legends ou StarCraft connaissent un succès au niveau e-sport plus important que ne rencontrera jamais sûrement Hearthstone. De par le fait que les gens peuvent crier devant l'écran ou quoi. Ouais. Donc je pense que le sens du spectacle... C'est un facteur important. Ouais. Quelqu'un veut réagir ? Sébastien ? Oui, sauf qu'il faut différencier. Voilà, et après, il y a la question du sport et la question de la professionnalisation et la question de la spectacularisation, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a des tournois de belote, c'est pas passionnant, mais il y en a d'échecs aussi, et pourtant, on ne les voit pas beaucoup. Donc, par rapport à la spectacularisation, la médiatisation du sport lui-même, il faut une certaine dramaturgie. C'est ça qui est nécessaire, c'est une narration, des hauts, des bas, des tournants de situation. Pour la question de la professionnalisation en elle-même, je crois que l'explication de Sébastien convenait. Il faut effectivement de la compétence et une popularité suffisante pour qu'il y ait des adhérents, quoi. Mais on a de la professionnalisation de beaucoup, beaucoup d'activités, comme le curling, par exemple. Il nous reste 5 minutes pour une dernière question, une dernière des dernières, peut-être. Pour rebondir toujours sur la question de la professionnalisation, moi j'ai une question de novice. Par qui sont payés les professionnels et pourquoi ? Enfin, pourquoi on a des professionnels, quoi. Par des sponsors. Ouais, c'est les marques. C'est les marques. MSI, Microsoft, les marques qui sponsorisent. Des fabricants de matériel. Ouais.
et les éditeurs eux-mêmes, des fois, du jeu, pour populariser leur jeu, pour créer une communauté, en fait, pour soutenir la communauté. Donc c'est les cash prize, en fait, c'est les prix lors des tournois. Donc, comme, voilà. Je ne sais pas si... Si vous pensez avoir fait le tour de la question, on ne va pas non plus repartir pour un quart d'heure sur un sujet différent ou d'un autre côté étirer celui-ci absolument pour être sur un timing parfait. Je voudrais remercier l'OMNSH, une fois de plus, les deux tables rondes, la modération de Vinciane et de Wilfried, l'intervention des six autres, que je ne vais pas renommer. Voilà. Je voulais quand même rappeler qu'on a démarré aujourd'hui pour un mois entier, donc une programmation assez diversifiée. Je ne vous ferai pas non plus cette fois-ci la liste complète des animations, mais quand même vous rappeler que le week-end prochain, on a vendredi Eddie Lojasix qui viendra parler de Daggerfall, et samedi et dimanche, One Life Remains qui viennent avec... On the Rhinoceros et Slam of the Arcade Age. Voilà, donc Slam of the Arcade Age samedi, On the Rhinoceros dimanche. Donc ces trois rencontres auront lieu à 15h, donc vendredi, samedi et dimanche. Ça sera à la bibliothèque, par contre. Si vous avez l'intention de venir, faites attention à la potentielle file d'attente. Donc le rendez-vous est à 15h à la bibliothèque, mais venez un petit peu à l'avance. Et puis, il y aura trois autres week-ends du même type, vendredi, samedi, dimanche, à chaque fois, une personnalité, un jeu. Il y a aussi des ateliers, il y a aussi des ordinateurs en accès libre tous les jours. Tout ça, c'est sur bpi.fr. Bonne soirée.